Bonjour, 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 salut YouTube, salut Twitch, bienvenue pour ce premier épisode de Kerbal Space Program, un épisode un petit peu chill, un petit peu tranquillou, où on va essayer d'avancer, de développer un programme spatial cohérent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas évidemment Kerbal Space Program, c'est la simulation de programme spatial qui a été développée et éditée par Squad. Un studio mexicain qui est sorti en 2015 en version définitive, qui est sorti depuis 2011 en version alpha. On est sur la version vanilla sans les DLC et avec quelques petits modes graphiques uniquement, sauf Kerbal Engineer qui va nous servir un petit peu pour les stats des fusées. Du coup, on va pouvoir profiter de cet excellent jeu avant Kerbal Space Program 2 qui a été annoncé à la Gamescom il y a très peu de temps. Ça va être l'occasion de nous lancer dans cette grande aventure. J'ai déjà un petit peu joué au jeu, hein, je connais un petit peu le principe. Il va encore y avoir du boulot, quoi. Donc l'objectif, ça va être de se faire un petit peu une séquence tranquille au milieu et de voir où on en est. Du coup, on va créer une nouvelle partie que nous avons appelée, bien sûr, Objectif Moon. Et ensuite, on va se prendre un petit drapeau qui va bien. Donc on a quelques drapeaux connus. On a le logo de Squad. On a le drapeau de l'ESA, donc la European Space Agency. On a un hexagone. On a un drapeau blanc. Bon, on va se prendre un drapeau blanc, tiens. Allez, hop là. Nous sommes heureux à régler la difficulté, puisque du coup, on a pas mal de possibilités de régler les options, de voir un petit peu ce qui est possible de nous simplifier en termes de gameplay. Mais là, on va se partir sur une structure un peu, je vais pas dire hardcore, mais un petit peu réaliste. Qui permettra de mener un programme avec ses moments de gloire et ses moments de drame. Donc on va pas permettre de revenir au vol précédent. On va se garder le quick load puisque j'ai souvent des problèmes avec les avions et je sais pas trop comment gérer avec les trains d'atterrissage. Vous verrez sûrement. Les équipages ne respawnent pas. Nous avons besoin d'acheter toutes les pièces qu'on recherche. On a besoin d'un réseau de communication pour pouvoir piloter nos sondes et nos satellites. Donc on va prendre l'expérience. On ne prend pas de. On interdit les fonds et la science négative. Et on va obliger la création on va forcer la présence de la force centrifuge. Qui va obliger à faire attention à nos réentrées. On va utiliser les règles du crossfeed, donc qui va empêcher le transfert de ressources d'une partie de la fusée vers une autre s'il n'y a pas d'alimentation de carburant. On va pas après apporter, on va pas récupérer les action groups. Donc les parties s'améliorent selon les technologies. On a besoin de signal pour contrôler les sondes. On a un blackout de plasma, puisqu'évidemment, quand on rentre dans l'atmosphère, on a un moment où le plasma qui se forme autour de la capsule, en tout cas qui est causé par le bouclier, empêche de communiquer. Donc on va avoir ça va nous empêcher de piloter les sondes dans certains passages. Et on va s'autoriser les relais terrestres pour la communication, ce qui lui permettra d'avoir un réseau mondial de communication et qui permettra de piloter peu importe la présence du Kerbal Space Center. Du coup, on est parti et on va découvrir tout de suite notre glorieux Space Center. Et nous sommes salués par Gene Kerman. On va le remercier, on n'a pas besoin de plus de tutos. Nous connaissons déjà relativement le jeu. On a 25 000 crédits pour commencer, c'est pas beaucoup. On n'a pas de points de science, et comme vous allez voir, la science, l'arbre scientifique, puisqu'il faut rechercher la plupart de nos parties, hein, le but c'est vraiment de partir de zéro, l'arbre scientifique est assez touffu.
Donc on va partir vraiment des parties de base, avec un parachute, un aileron pourri, une capsule de base et un petit moteur, jusqu'à pouvoir rechercher des moteurs avec une puissance incroyable, des moteurs nucléaires, etc., quoi. Donc là, on a encore du temps, on a, par exemple la propulsion nucléaire qui est disponible ici. On a propulsion, comment ça s'appelle, les moteurs à ions, etc. Donc on a vraiment beaucoup de types de propulsion, mais pour l'instant on est très très modeste. On va partir avec un tout petit projet qui va être de récupérer de la science depuis Carbine et de lancer notre premier vaisseau. Donc on a des contrats qui sont disponibles, des contrats qui sont disponibles dans le centre, dans le Mission Control. Et ces contrats vont nous permettre d'avoir accès à des récompenses en argent, en science et en réputation. Réputation qui nous permettra d'avoir de meilleurs contrats. Science pour rechercher de nouvelles parties et l'argent pour débloquer de nouvelles parties, recruter des kerbals et, construire de nouveaux objets ou améliorer le Space Center. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qu'on peut pas. Si on peut pas tout de suite. Non, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir. Ici, on peut changer un petit peu grâce à des réglettes la proportion de fonds qu'on reçoit, de science ou de réputation selon les missions. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore parce qu'on est des gros pauvres. Donc, on va rentrer dans le Vehicle Assembly Building qui est probablement un des bâtiments les plus importants du jeu. Et nous avons l'accueil de Werner von Karban, qui n'est pas du tout Werner von Braun. On va se faire une capsule. Donc là, on a les infos de Kerbal Engineer qui apparaissent, évidemment, puisqu'on a le mode d'installer, et qui vont donner des petits détails sur le vol, enfin sur les capacités de notre fusée. On y reviendra quand on fera un vrai lancement. Parce que pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste coller de l'équipement scientifique dessus. On n'a pas besoin d'autre chose. Et on va mettre un. On va mettre Bob, notre scientifique, qui va nous permettre de récupérer quelques points de science. Puisque l'objectif pour se développer va être d'acquérir de l'argent, évidemment, qui va être un petit peu le nerf de la guerre, mais aussi, et c'est presque plus important, des points de science qui peuvent s'acquérir en faisant des recherches. C'est un jeu qui est très basé sur la science, sur l'arbre de recherche, et donc du coup, si on veut s'améliorer, il faut partir dans de la recherche. Donc du coup, on peut faire de la recherche, on peut étudier notre réservoir de mystérieuses substances. La substance n'a pas l'air de faire grand-chose pour l'instant. Le goût, c'est de la boue, pardon. De la boue mystérieuse. Et on a Bob qui peut entrer, sortir. Du coup, on va faire un petit rapport depuis la capsule. Est-ce qu'on est bien installé ou pas? On récupère le rapport de l'équipage. Et on va partir en évier, donc en sortie. Pour l'instant, ça va. Donc on fait une petite évier depuis le launchpad, pardon. On va récupérer les données. On va tout stocker dans la capsule. Ça nous permettra. Pour l'instant, pas grand-chose, mais plus tard, ça nous permettra de. Ce sont des bons réflexes à prendre, dirons-nous. Et on va essayer de se rendre là-bas pour récupérer, puisqu'il y a différents biomes par planète à explorer. Et l'un de ces biomes se situe autour du Kerbal Space Center. Donc on va essayer de gratter un petit peu de science ici et depuis le runway, donc la piste de décollage des avions. Ça devrait nous permettre déjà d'avoir quelques points de science à dépenser. Mon vieux Bob, t'en es où? Donc la Crawlerway, donc qui est la voie qui ramène depuis le bâtiment d'assemblage jusque notre capsule. Donc évidemment là on est sur un tout petit Space Center pour l'instant, on est un petit peu dans le Space Center de la Bourboule, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure et on va avoir accès à des installations beaucoup plus évoluées et beaucoup plus réalistes par rapport à ce qui se fait maintenant. Par exemple le Crawlerway, bon pour l'instant il est ridicule et il va peu évoluer mais sauf selon l'amélioration du Launchpad, mais si on prend par exemple certaines choses comme le programme Apollo par exemple qui avait à sa disposition un système assez impressionnant pour transporter les fusées de Saturn V,
je vous invite du coup fortement à vous renseigner sur ces programmes qui sont vraiment passionnants. En plus, il y a quelques semaines maintenant, on a fêté le 50e anniversaire de l'alunissage de Neil Armstrong, à ne pas confondre avec Lance Armstrong, qui aurait très bien pu alunir, mais qui aurait probablement été contrôlé positif dans ce cas, et encore moins Louis Armstrong, Moi, qui ne pouvait rien faire. Merci French Kebab, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Comment vas-tu? Du coup, on a récupéré pas mal d'expérimentation. On va se stocker tout ça dans la... On a récupéré les capsules, pardon. Alors, tu grimpes quand tu veux. On va remettre le time warp à 0. Hop, et on va récupérer notre science. Donc on a récupéré quelques points, on va pouvoir commencer des petites recherches. Pour l'instant, on a 13 points, c'est pas grand-chose. On a gagné un peu de thunes puisqu'on a rempli un objectif. Et on a gagné un petit peu de réputation. Pour la requêterie, donc l'assemblage de fusées basiques, on a besoin de 5 points. Et pour l'engineering, on a besoin de 5 points aussi, qu'on va récupérer tout de suite. On va faire la recherche. Ça nous permettra de gagner plus de points de science, etc. Donc du coup, la science alimente la science, ce qui fait qu'on peut, parfois on peut se retrouver un petit peu dans des gouffres, dans des moments de flottement, où finalement bah, on aura peu de possibilités de faire de la science, et il va falloir un petit peu ruser pour en avoir. Du coup, on va récupérer la mystérieuse boue et un thermomètre. L'histoire ne retiendra pas par quel orifice ce thermomètre se prend. Tout dépendra du goût. Du coup, bon, on va prendre Jeb, ça lui fera un petit peu. Non, on va prendre Bill, ça lui fera un petit peu d'XP. Hop là. Parce que les Kerbal aussi ont de l'XP, hein, donc ils vont débloquer au fur et à mesure certaines compétences. Vont s'améliorer, vont avoir d'autres possibilités. Du coup, on va faire l'observation de la mystérieuse boue. Hop, on va récupérer la température. On va faire un petit crew report depuis le runway. Rapport depuis la piste d'atterrissage. C'est bien qu'il n'y ait pas beaucoup de trafic aérien. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas l'autorisation de la tour de contrôle pour être ici. Ouais, on occupe un petit peu l'espace. Tout petit peu. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à notre disposition? Alors, on a 10 points de science avec ça, on va pas aller bien loin. 18, 20, 15. On va se prendre Escape the Atmosphere, qui va être notre premier vrai objectif de dépasser la limite de l'atmosphère qui est à 70 km d'altitude. Donc, on verra ça bientôt. Et ben allons-y, hein, tant qu'on y est. Donc, les basiques, une capsule pour le décollage, pour mettre un membre d'équipage, un petit parachute pour éviter qu'il fasse sproch. On va se mettre de la science, qui nous permettra de faire de la science. Un thermomètre, donc ça, le thermomètre, c'est réutilisable, donc on va pouvoir en mettre plusieurs quand même, mais on pourra éventuellement les réutiliser au fur et à la mission, puisque a priori il y a des composants de science qui ne sont pas réutilisables. Par exemple, la boue mystérieuse, on peut pas la réutiliser, il faut un scientifique pour la réarmer en gros. Alors que le thermomètre, par exemple, n'importe qui peut prendre plusieurs fois la température, ça peut nous servir. On va même en mettre là, plus il y en a, mieux c'est. Voilà. On a besoin d'une séparation, mais on a besoin aussi. Bon, non, on n'a pas encore besoin de bouclier thermique, donc c'est bon. On va partir pour l'instant avec un booster solide, donc avec la puce The Flea. Et là, on voit du coup que au moment où j'ai installé le booster, Kerbal Engineer s'est mis à jour. Notre fusée compte 9 parties, elle coûte 6 400 crédits, elle a une masse de 2 tonnes 5, Specific Impulse, c'est l'efficacité en gros du moteur selon l'endroit. Du coup, on va se mettre sur Carbine, ça va être un petit peu mieux. Voilà.
Donc ça, c'est la poussée. Torque, je sais plus exactement ce que c'est. Ça, c'est très important, c'est la puissance par rapport au poids. Là, on voit qu'il développe une puissance qui permet de soulever à peu près 7,6 fois le poids de la capsule. Donc ça va, on est large. Si c'est supérieur à 1, c'est bon. Si c'est inférieur à 1, ça va mal se passer. Et delta V, c'est le potentiel en gros d'accélération de la fusée. Donc là, on peut atteindre 854 mètres par seconde. Après, ça dépendra bien sûr de l'atmosphère, de l'efficacité des moteurs, etc. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'autres choses? Je ne crois pas. Pour une toute première, ça ira. On va transporter notre booster ici, puisque notre staging va être très important. Le staging, c'est l'ordre de déclenchement des étages. Donc du coup, on va avoir un moteur solide qui va se déclencher en premier quand on pressera la touche espace pour la première fois, puis ensuite on aura le parachute qui s'ouvrira en espérant que le poids total ne sera pas trop important et donc du coup on va pas avoir un gros crash dégueulasse. On va l'appeler le Flee-1, vu que nous sommes sur un moteur puce. On va mettre Jeb en leader de mission. On va sauvegarder ça et je crois que j'ai rien oublié. C'est parti! Moment historique dans quelques instants. Donc on voit aussi un petit rappel des ressources. On aurait pu alléger les capsules puisque les capsules sont équipées d'un petit propulseur, d'un petit liquide de propulsion. Mais on va pas l'utiliser, donc on aurait pu alléger la capsule, ça nous aurait permis d'aller un petit peu plus loin. Mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre la température. Donc on peut voir qu'il fait 311 degrés Kelvin. Donc il fait relativement bon, semble-t-il. On va garder notre expérience. On va activer le SAS qui est l'assistance à la stabilité. C'est une capacité qui est donnée par les pilotes. Les pilotes ont l'assistance à la stabilité. Si vous ne l'avez pas, vous allez galérer. Et par contre, ils vont avoir d'autres options au fur et à mesure avec l'expérience. Les RCS, c'est pour les déplacements de fusées latéraux, principalement pour le docking. Mais ça, on verra ça beaucoup plus tard, je pense. Du coup, checklist ready. On a l'air pas mal. Et grand moment historique. 3, 2, 1, mise à feu. Alors là, ça envoie du steak. On a une grosse poussée puisqu'on a un gros thrust to rate ratio. On va récupérer la température pendant qu'on est en l'air. On va observer une canette de boue. On va se faire un petit report. On peut voir du coup qu'on a décalé, on peut voir la courbure de Kerbal. Kerbal n'est pas plat, hein, je tiens à le dire. Est-ce que la température change selon l'endroit où on est? Oui. Là c'était selon quoi? Review data. Ouais, du coup là on a un doublon, mais c'est pas grave. Du coup après selon le biome, on va avoir des données différentes. Et après, on a d'autres indicateurs très intéressants ici. On a par exemple la navball qu'on verra au fur et à mesure. On a l'indicateur de force, donc de poussée, la force centrifuge en gros qui est subie par nos kerbonautes, par nos kerbales. Pour l'instant, on voit qu'on a quasiment pas de poussée, on est inférieur à 1G. Et là, c'est les gaz en gros, hein. Notre parachute est bon pour être ouvert, on va l'ouvrir. Et donc la navball, à quoi ça correspond? La navball, ça va nous donner des indications sur notre direction, notre trajectoire, des indications très importantes, puisque ça va nous donner dans quelle direction en gros on se propulse. On a plusieurs indicateurs dessus. Là, celui qu'on voit, c'est un cercle avec trois embranchements et une petite croix au milieu. Ça veut dire qu'en gros, on se dirige à l'opposé de cette direction. Donc là, le bleu de la navball, ça présente le haut. Le rouge, ça représente le bas. Là, on est avec la petite croix vers le haut, totalement vers le haut. C'est qu'on descend. On va à l'opposé du haut, c'est qu'on va vers le bas. Jusqu'ici, tout va bien. Bien sûr, il y a des moments où ça va être le bordel. Mais pour l'instant, tout va bien. On va récupérer la température pendant qu'on y est. Hop, grâce à ce bel amerrissage, nous allons pouvoir récupérer la température ici aussi, puisque maintenant nous sommes dans l'eau.
Et grâce à ça, on va aussi pouvoir récupérer la boue mystérieuse dans l'eau. La boue s'échappe dans l'eau, je suis sûr que ça va pas être dangereux. On peut faire un report, mais on en a déjà un, donc du coup on va envoyer Jeb qui avait l'air de s'éclater comme une bête en éveillé. On va récupérer les damnés et les stocker. Et on va pouvoir faire un cool report. Déjà pouvoir faire une éveillé report. Hop là. Depuis la mer. Et on va faire un petit crew report ici depuis l'eau. Je pense qu'on a fait à peu près toutes les expérimentations qui étaient possibles à ce niveau. Donc du coup on va aller récupérer notre vaisseau. Notre capsule pas spatiale du coup parce qu'on n'a pas atteint l'espace, mais notre capsule atmosphérique, qui nous aura ramené quand même 62 points de science. Et ça c'est pas mal. On est maintenant à 143 000 fonds, donc ça c'est bien aussi. Et la réputation, on voit qu'on est légèrement dans le positif, mais c'est pas brillant pour l'instant. Seulement, la réputation, on va pas trop s'en servir, donc on va plutôt mettre en place un système de recherche pour récupérer plus de science. Ouais, on n'a pas encore assez de réputation, il nous faut 35 de réputation pour mettre ça en place. Alors ça, c'est donc une politique du Space Center. Ce qu'on peut faire, c'est dire, tu me prends X% de mes gains de réputation. Donc si je gagnais 100 points de réputation, j'en gagnerais plus que 95. Mais pour chaque 2,5 points de réputation que tu m'as pris, en gros, tu me donnes 1 de science. Donc du coup, si je devais gagner 100 de réputation, je gagnerai seulement 95 de réputation, mais aussi 2 de science. Et ces 2 de science, ça va être capital. Parce que vous allez voir qu'après, la science, ça va devenir une ressource primordiale. Du coup, on n'a pas encore assez pour se mettre en place, mais on mettra ça en place plus tard. Qu'est-ce qu'on a de beau au Mission Control? On a plein de missions. Plein de missions. La première mission qu'on va prendre, ça va être de mettre une fusée en orbite. Et bien sûr, on a plein de missions qui vont nous demander de faire différentes observations de Kerbin, notre planète, et de tester des parties, éventuellement de fusées. Ça peut être de transporter des touristes, ça peut être d'assembler une station spatiale. Donc on va avoir plein de missions comme ça qui vont s'améliorer au fur et à mesure, qui vont se développer, et qui vont être dépendantes un petit peu de notre capacité à gérer nos contrats. Donc ça, le Spaceplane Hangar pour construire les avions. Le complexe des astronautes pour voir un petit peu qui est disponible et qui est actif. Donc là, on peut voir qu'on a 4 actifs, puisqu'on a Jeb, Bill, Bob et Valentina. Et donc 2 pilotes, Valentina et Jeb, et un ingénieur et un scientifique. Et après, on a des gens qui sont disponibles, qui ont beaucoup de courage, qui ont beaucoup de stupidité. En général, le mieux, c'est d'avoir les deux. La stupidité et le courage, je sais pas trop en quoi ça influe, mais bon, on peut se dire que roleplayment parlant, il faut être à la fois courageux et un petit peu foufou quand même pour pouvoir s'attacher sur une espèce de pétard géant qu'on va allumer en bas et en espérant que ça se passe bien. Du coup, recherche et développement, qu'est-ce qu'on est beau? Des boucliers thermiques, ça va nous être très utile, avec un baromètre pour la pression, des radiateurs, des pieds pour se poser, des parachutes, on prend ça. Pour la stabilité, on a des découpleurs radio donc qui vont s'attacher sur le côté de la fusée. On a des cônes aérodynamiques. Et ici, on a un moteur à propulseur liquide, à carburant liquide. On a un gros booster à carburant solide. Un carburant solide qui est ni plus ni moins qu'une grosse fusée, qu'un gros pétard. Hein. Et on a aussi un réservoir liquide. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Alors, soit ça, soit. Bon, l'aviation, pour l'instant, on n'a pas encore assez de science. On n'a qu'à 29, il faut 45, donc c'est réglé. On va essayer de se prendre le Basic Science après, parce que, quand même, ça va nous donner un petit peu plus de possibilités de science. Mais il nous faut 45. Et là, en requête basique, on a le LVT 45, c'est pas mal. Par contre, au niveau fuel tank, c'est un petit peu tout pourri. On va rester comme ça. Non, allez, on va se prendre quand même un petit coup de basique roquetterie. Non, ça devrait passer. On va essayer de se mettre en orbite. Ça, on va pas être gagné. On recommence un nouveau vaisseau.
qu'on appelait New. Hop là. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc on a notre module de commande jusqu'ici, tout va bien. On va avoir besoin d'un parachute, évidemment. Un nouveau Sproch, c'est mal. On va avoir besoin d'un bouclier thermique, puisqu'on va devoir faire une rentrée atmosphérique. Et que vous allez voir, si vous en avez pas, ça peut mal se passer. On va mettre un petit système de découplage. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que, évidemment, avec notre staging, notre... ici, sur la droite, on va pas pouvoir tout déclencher en même temps. Et à un moment, on va se séparer de certaines choses. Donc, quand on va s'en séparer, on va utiliser un découpleur qui est ce qu'on vient d'attacher en dessous du bouclier thermique, ce qui permettra du coup à la capsule de pas se traîner beaucoup de réservoirs vides et donc de pouvoir faire une entrée atmosphérique protégée directement par le bouclier thermique et donc safe. Qu'est-ce qu'on a encore besoin de mettre? Alors, on a besoin de moteurs évidemment, donc pour ça, on a besoin de carburant. Qui dit carburant dit. Réserve de carburant. Hop, on peut copier des parties avec... en mettant Alt enfoncé. Et on va se mettre un gros moteur, un LVT45. Voilà. Donc là, on a quoi? On a Delta V, donc la vitesse qu'on peut espérer atteindre, de 2097 mètres secondes. Sachant qu'on est sur Kerbin. Et pour se mettre en orbite, il faut un peu plus de 2200. 2200 si vous faites un lancement vraiment propre. Mais ça ne va pas être le cas, vous allez bientôt voir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre des coupleurs latéraux. Voilà. Deux. Et on va se mettre des boosters pour nous aider au décollage, puisque évidemment, le décollage, c'est ce qui consomme le plus. On va se mettre des cônes aérodynamiques. On va surveiller le nombre de parties parce que c'est critique, hein, puisqu'on ne peut pas assembler beaucoup de parties pour l'instant. Et on va se mettre un petit aileron qui nous permettra de nous maintenir la stabilité durant le vol. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors qu'est-ce qui va se passer du coup dans notre ordre d'allumage? On va avoir les deux moteurs latéraux qui vont se déclencher, et ça c'est bien. Puis on aura le découplage. Par contre, notre moteur va s'allumer plus tard. Le problème c'est que si on allume le moteur plus tard, on va ralentir pendant quelques instants. Et ralentir pendant quelques instants, j'aime pas trop. Quoi se mettre le moteur ça découple et ça déclenche le moteur en même temps. Ici, les capsules vont se découpler au moment du premier stage. Et on va du coup avoir le bouclier thermique, puis ensuite le parachute, ça me semble pas mal. Seulement, notre carbal, il est pas là pour se... Il va se tirer les doigts pendant qu'il vole, et on va lui mettre de la science. Alors... Science... Et science, on a 24 parties, c'est très bien pour l'instant. Comme ça, on va pouvoir se mettre 3 baromètres sur le côté. Hop là... Hop là. Ça m'a l'air pas mal, on a encore de la place, on va pouvoir mettre encore un baromètre en plus. De toute façon, on peut pas sortir de la cabine pour l'instant, on n'a pas la technologie qu'il faut, on va le mettre ici. Ça m'a l'air pas mal. On a des gros boosters, c'est très Kerbal comme chose, donc du coup, on va s'appeler ça le Fli 2. Non, on va appeler ça le Orbiter 1. Alors, l'objectif, c'est évidemment de mettre un Kerbal en orbite. On y croit. Qui va piloter? Ben, on va laisser Jed pour l'instant. Valentina va peut-être la garder plus pour en pilote d'essai avion. Et je crois qu'on n'a pas de partie. Non. Ça, c'est pour changer de bâtiment, mais c'est pas nécessaire. On va sauvegarder notre Orbiter 1. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. J'ai pas regardé mon ratio poids-puissance, du coup je pense qu'on va décoller un petit peu violemment, mais c'est pas grave. On va se mettre le carburant en vue, et nous voilà du partant. Alors déjà qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on est parti un petit peu de traviole. Donc là, notre vitesse par rapport à la surface, et là, notre trajectoire. On peut voir que par rapport à tout à l'heure, le cercle, il a plus de petites croix, ça veut dire que ça, c'est la direction vers laquelle on va.
actuellement, pas de la direction vers laquelle on s'éloigne. Donc on peut voir que de plus en plus on est bien pour l'instant, on est dans un angle d'à peu près 70 degrés par rapport au sol. Voilà. Et notre objectif, ça va être de monter. Alors là, du coup, on a quand même un problème de résistance de l'air, hein, puisque là, on peut voir qu'on a une belle traînée plutôt élégante. Et ça va correspondre à notre... ça va nous freiner, puisqu'en fait, la densité de l'air fait qu'évidemment, on ne peut pas dépasser une certaine vitesse, la vitesse terminale. Si vous dépassez une vitesse terminale, vous serez ralenti, l'air va faire résistance face à vous. Et voilà. Du coup... on continue d'accélérer dans cette direction et on va se mettre la carte. La carte qui va nous permettre de savoir à quelle altitude on est. L'espace commence à 70. On va essayer de viser ça. On va se mettre à... allez, 78, c'est pas mal. Et après, maintenant, il va falloir orbiter. Puisque maintenant, on est dans une trajectoire qui est balistique, c'est-à-dire qu'on va retomber sur carbine. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est une trajectoire orbitale, donc qui fait le tour de carbine. On va éviter de faire un staging approximatif parce que là du coup j'avais la main à côté de la touche espace, c'est pas une bonne idée. Et on va voir combien de temps on va mettre avant d'atteindre notre ApoApps. Pour l'instant on ne sait pas, on n'a pas la technologie qu'il faut. Ça va être au doigt mouillé. Du coup, on est à 1000 km, à 1000 mètres secondes pardon, par rapport à l'orbite. Et on voit qu'on perd de la vitesse, donc on va redéclencher notre moteur. Combien il nous reste, sachant que là il faut aussi garder le carburant pour se désorbiter. Et je pense pas qu'on aura assez. Ouais, ça va être tendu. Donc évidemment on peut se désorbiter de façon propre avec une trajectoire qui va bien retomber, etc. Et ça va être joli et élégant. Ou alors on peut se désorbiter comme des gros dégueulasses en misant tout sur le freinage atmosphérique. Mais ça peut être très très long du coup. Mais vous allez voir, c'est toutes les techniques de l'arnaque qu'on va utiliser plus tard. Du coup, avec tout ça, j'ai oublié de faire ma science. Bravo le veau. Il n'y a pas de pression en l'espace. Il fait plutôt froid, je pense. Enfin, ça dépend de quel côté vous êtes de la fusée, en fait. La boubou. Et le report. Voilà. C'est pas mal. Au moins, ça nous permettra de récupérer quand même pas mal de science, puisqu'on aura au moins l'espace. Et on va pouvoir récupérer l'atmosphère supérieure. Même si on n'atteint pas encore notre objectif d'orbite, ça nous permettra quand même de se mettre un petit peu bien. Alors, on en est où? Ouais, on n'aura pas assez pour s'orbiter. Ah, pas grand-chose, quand même. Mais bon. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On va finir dans la mer, quelque part plus loin. Et donc là, du coup, on va pas avoir besoin de... du reste de notre fusée. On va pouvoir se faire une petite éjection. Attention, 3, 2, 1, détachement. Voilà. On peut virer nos ressources parce que là, on a rien. Et puis on va attendre tranquillement de revenir vers carbine. On va se mettre comme ça. Comme ça, la température de la réentrée va pas trop se diffuser sur les éléments qui sont ici. Et pour les éléments latéraux, on va faire ce qu'on peut. Salut, maximum de kiff, comment ça va? Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur cette grande aventure spatiale perdue d'avance. C'est le principe du Kerbal. On vient tout juste de commencer, nous sommes à deux doigts de faire notre première mise en orbite, mais notre fusée n'était pas assez puissante malgré un décollage à peu près bien. Eh bien écoute, ça va très bien. Chaudement, mais plutôt bien. On profite du calme de l'espace et de la très bonne musique de Kevin MacLeod. Plutôt reposant. Un jeu plutôt reposant d'ailleurs. Sauf parfois. Évidemment, quand il y a une manœuvre en orbite à faire, c'est pas la même. Bon, on va accélérer un petit peu parce que là, sinon on n'est pas rentré. Profitez de cette magnifique vue. Magnifique galaxie qui traverse la voie. Alors, nous revoilà dans l'atmosphère. On va prendre la température. Hop. La pression, pardon. On va reprendre la température ici. Et on va prendre
l'observation. La boue semble avoir très froid maintenant. Tu penses quoi du trailer de KSP2? Il m'a vendu du rêve. Il était vraiment beau. Après, c'est pas des images de jeu, mais c'était vraiment très 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 beau, très très. Ça vendait vraiment du bonheur, quoi. J'ai regardé l'analyse un petit peu de Scott Manley, que je te conseille fortement si tu ne le connais pas encore, qui est spécialisé dans le Kerbal, etc., qui est un astronome, et qui en a fait un petit peu l'analyse sur tous les moteurs qu'on voit, etc. Et c'est vraiment. Si l'amélioration graphique est au niveau par rapport à KSP1 et que tout ce qui est support des mods est au même niveau, ça va être un régal, je pense. Donc ouais, c'était une surprise en plus. J'ai un petit peu d'inquiétude quand même, c'est que Squad, qui était en charge du premier Kerbal, qui s'était chargé du développement du premier Kerbal, semble pas trop impliqué, donc je sais pas trop. Du coup, première réentrée, ça chauffe. On fait un petit peu tourner la capsule. Et on fait tourner les capsules, je suis désolé pour ça. Pour essayer de refroidir un petit peu les pièces qui pourraient exploser à la chaleur, mais ça a l'air d'aller. Donc là, on voit notre vitesse qui est en train de fondre comme neige au soleil, si je puis dire, puisqu'on passe d'à peu près 2000 mètres secondes à beaucoup moins. On est sur une trajectoire qui est assez balistique, qui est assez. On peut voir que ça a commencé à chauffer, on avait les indicateurs de chauffe. On n'est plus qu'à 20 000 mètres, on est encore à 1200 mètres secondes. Ça craint, mon gars. Ça craint du boudin. Donc là, on peut voir que Jeb, il est en train de bouffer quelques G. Hein. Donc ouais, trailer de KSP2 qui était vraiment sympa, et puis qui était très dans l'esprit Kerbal avec tous les échecs. Avec tous les échecs, c'était vraiment marrant. Ouais, je suis bien hypé, là. C'était une très bonne surprise. Donc on verra bien. Bon, du coup, on est safe pour ouvrir le parachute. Ouvrons! Et de ce que j'ai cru voir, le trailer reprenait un petit peu un montage qui avait été fait par un fan de KSP, un ancien montage qui a été fait par un fan de KSP, avec la même musique, etc., et qui lui rendait un peu hommage. Donc je trouve que l'esprit était vraiment bon et que c'était vraiment pas mal. C'est un jeu qui s'est beaucoup bâti sur une grosse communauté solide et passionnée, donc je trouve que c'est vraiment cool de reconnaître que voilà, la communauté a joué un très gros rôle dans le développement de Kerbal. Et je pense que si les mods, par exemple, n'avaient pas été aussi bien supportés, le jeu n'aurait pas connu le succès qu'il connaît maintenant. Et voilà. À la base, c'est quand même un petit jeu indé qui. Enfin, c'est un jeu indé qui a connu un gros succès de bouche à oreille. Maintenant, je pense que quand on parle de Kerbal, à peu près tout le monde sait de quoi on parle. Et pourtant, c'est quand même un jeu de niche à la base. Donc, du coup, je trouve que c'est vraiment cool. Allô, parachute? Je dis pas que ça serait bien que tu t'ouvres, mais. Oui, merci. Excusez-moi, j'ai un petit rhume fort agaçant. J'ai une lumière divine qui me baigne de temps en temps. J'essaierai de flouter mes points noirs. Ah, et ben on peut profiter de ce magnifique lever de soleil. Jeb peut profiter de la vue, il aura bien travaillé. Il nous a ramené beaucoup de science, on a raté notre mission, notre objectif qui était de mettre quelqu'un en orbite, mais on est sorti de l'atmosphère, donc ça c'est bien. Et la mise en orbite, ça va être pour la prochaine mission, je pense. Alors 50 mètres, 40, 30, 20, 10, touchdown! Voilà. Et bien une mission qui s'est rondement menée. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On peut prendre la pression de l'eau. On a oublié de prendre la pression pendant qu'on était au-dessus de l'eau, mais c'est pas grave. On va vivre avec. Et on va récupérer le vaisseau. Alors, où en est-on? Que se passe-t-il? Que faites-vous chez moi? On a 119 de science, c'est bien. Donc presque 120 d'ailleurs. On a 267 000 balles, c'est très bien. Et on a 56 de réputation, ce qui va nous permettre de mettre en place Unpaid Recherche Programme. Donc mise en place d'un programme de recherche bénévole. Et on va essayer de se mettre à 10%.
Elle a grosse. 8, 10, 12. Non, raté. Non, mais c'est. Vous inquiétez pas, c'est un jeu qui ne demande pas de précision. Allez! Ça peut pas faire avec tout clavier, évidemment. Voilà. Eh bien. Du coup, ça va nous coûter 40 de réputation d'activer ça, mais on va perdre 10% de réputation sur chaque mission. Enfin, on va gagner 10% de moins, mais on va gagner plus de science, et ça, j'aime bien. Alors, 200 000 et 119 de science. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette science? Je vous le demande. On va se prendre. Le terrier, il est pas mal pour la mise en orbite. C'est un très bon moteur spatial, puisqu'ici, on peut voir qu'ils ont des. Alors, est-ce que je peux. Ouais. On peut voir qu'ils ont des efficacités différentes selon qu'ils soient dans une atmosphère. Donc, lui, 85, il est peu efficace en atmosphère. Par contre, 345, il est très bien. Et il a une poussée donc, de 14 kN dans une en atmosphère. Par contre, 60 dans le vide. Du coup, c'est un très bon moteur spatial. C'est un très mauvais moteur atmosphérique. A contrario de celui-là par exemple, qui a une meilleure efficacité dans le vide, mais qui a déjà une très bonne efficacité atmosphérique. On peut voir que les poussées sont relativement les mêmes. Et un autre point qui va être important, c'est le gimbal, il me semble. Check. Minthrust, c'est plus indiqué ça? Bon, et du coup, il génère aussi de l'électricité, donc c'est toujours bien. Toujours un bon moment. Donc du coup, bon, on va chercher ça, chercher ça, ce qui nous permettra du coup normalement, si tout va bien, d'atteindre l'orbite. Et ensuite, on a suffisamment de points. Alors, soit on prend une aviation qui nous permettra de lancer Valentina sur les rangs de la gloire, plus ou moins, et surtout de mener des missions de recherche au sol. Soit on part sur la science basique qui nous permettra d'accéder au Science Junior. Science Junior, c'est pas mal. En construction, pour l'instant, on n'a pas besoin. C'est pour la stabilité au lancement, mais la stabilité au lancement, on s'en passe très bien. L'aviation, c'est pas mal du tout. Contrôle de vol. Et la science. On va dire plus de science pour l'instant. More science. Et du coup, et bien c'est reparti. Ah, on aurait pu prendre une autre mission, on va voir s'il n'y en a pas une qui pourrait nous convenir. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir améliorer notre bâtiment de. Notre mission control. Ça coûte 75 000, on a 267 000. Est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient nous servir? Les tests, c'est un peu chiant. Les découpleurs, il faut être dans la bonne. TD12 découpleur, c'est celui qu'on a déjà, je pense. Et après, c'est des observations, mais tant qu'on n'a pas d'avion, c'est un petit peu relou. On va prendre le découpleur pour l'instant, ça coûte pas grand-chose. Alors, du coup, notre orbiter One, il a fait pas mal sa tâche, mais on va l'améliorer. Hop, new. Alors, notre module de commande. Ah, à noter que maintenant, on a notre première sonde. Première sonde qui, pour l'instant, est très basique et qui consomme de l'électricité, etc. Et qui va surtout pas avoir de système de SAS. Autant dire qu'en termes de stabilité, c'est de la merde. On va se mettre un parachute. Évitons les sproches. On va se mettre un bouclier thermique. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va pouvoir utiliser des réservoirs un petit peu plus gros. Et ça, c'est bien. Mais par contre, on va se mettre d'abord un découpleur. Hop. On va pas trop tourner à l'économie de moyens. Hein. Je sais que les pros de Kerbal se font des campagnes zéro déchet, mais on n'en est pas là. Par contre, on va essayer déjà de mettre en orbite quelqu'un. Ça va être pas mal. Donc, on va se mettre le terrier qui va nous permettre de servir de dernier étage de notre fusée avec une Delta V de 1400, quand même, c'est pas mal par rapport au petit réservoir qu'on a. On a besoin d'un nouveau découpleur ici, ce qui nous permettra d'avoir un gros pétard en dessous.
Et alors, soit on prend le T30 qui a pas trop de manœuvrabilité, soit on prend le T45 qui a beaucoup plus de manœuvrabilité. Ah, et là on peut voir qu'il a un gimbal, donc il a une poussée vectorielle qui va lui permettre d'orienter légèrement et de guider la fusée plus facilement que le T30. Le T30 il est plus puissant, il est à peu près aussi efficace, 265, 310, 250, 320. Donc en termes de décollage, en toute poussée atmosphérique, il va être plus puissant. Par contre, le problème, c'est qu'il va pas avoir d'orientation, et donc du coup, il va falloir compter sur des orientations extérieures. Et ça, c'est pas top. Ça va être bien plus tard quand on aura des ailerons qui vont faire le taf, mais pour l'instant, c'est pas top. Donc on va mettre un T45. On va se mettre des découpleurs radio. Qu'on va essayer globalement d'aligner avec le côté. Et on va se mettre des boosters. Rien de tel qu'un bon booster pour être sûr d'aller loin. Pas forcément en orbite, mais loin. Alors, on a besoin d'un petit peu d'aérodynamisme, sinon ça va être la cata. Et on a besoin. On n'a pas vraiment d'orientation faisable, ça va être la misère. Alors, en termes de découplage, où est-ce qu'on en est? Nos deux boosters, le découplage, l'allumage. L'allumage, on va le mettre en même temps que les boosters. Celui-là, par contre, de découplage, on va le laisser indépendant parce que si on est en orbite et qu'on a besoin d'un petit peu de temps, on va pas avoir besoin de déclencher le moteur tout de suite. Donc, ça, c'est bien, on va miser sur ça. Et celui-ci de découplage, ça va être pour le bouclier thermique, donc c'est bon. Donc en vitesse qu'on peut espérer atteindre en gros en delta V on est à 4100, ça devrait nous permettre d'atteindre notre objectif, sauf problème au décollage, ce qui n'est jamais exclu. Et après, qu'est-ce qui nous manque? Ben, de la science évidemment. Science! Est-ce qu'on tente l'arnaque? La question se pose. Est-ce qu'on tente l'arnaque en utilisant le Science Junior et en espérant que le bouclier thermique protège les deux? Ou est-ce qu'on va jouer safe? On va la jouer safe pour l'instant. Nous sommes dans l'orbiteur 2. Le premier était. C'était le presque orbiteur. On va toujours prendre Jeb, notre bon vieux Jeb. C'est pas trop mal. En puissance par rapport au poids, on est bien. On pourrait être à 1,5, c'est pas mal non plus, mais 2, c'est pas mal non plus. Puisque du coup, si on peut changer la limite de poussée, et du coup, ça change notre poids-puissance, notre rapport poids-puissance. Mais on va rester sur 2 et quelques, c'est pas mal. Et je crois qu'on est bon au niveau du staging. C'est y part. On a la foi. Avec un peu de chance, on aura le contrat des découpleurs qu'on devait ramener en altitude, mais je sais pas lesquels sont. Alors, ça c'est pas mal. Les gaz sont mis en place. La stabilité, c'est bon. 3, 2, 1, mise à feu! Donc comme on n'a pas encore trop de stabilité, on va partir sur une trajectoire assez verticale pour l'instant, puis ensuite on aplatira notre trajectoire à partir du moment où on va atteindre à peu près 20-25 km d'altitude. Ça permettra d'éviter que notre fusée fasse des... Parce qu'avec l'équilibrage du poids, on ne sait jamais trop où on va finir. C'est pas du tout la façon la plus optimisée de faire, mais c'est pas mal. Alors on va commencer doucement à essayer d'aplatir notre trajectoire. Allez, pour l'instant ça a l'air assez stable, c'est bien. Ce qui va se passer à partir d'un moment en fait, c'est que les réservoirs en dessous vont se drainer, forcément. Et que le réservoir supérieur, lui, va rester aussi lourd qu'avant. Et du coup, qui dit aussi lourd qu'avant et réservoir inférieur vide, la fusée elle est toute déséquilibrée et du coup elle a tendance un petit peu à tomber. Sauf qu'à partir d'une certaine altitude, d'une certaine vitesse, le problème se pose plus trop. Du coup, on peut aplatir notre trajectoire tranquillement. On en est où au niveau de la map? On est très très haut. On est très très haut.
Pas besoin d'aller aussi vite dans l'atmosphère, tu gâches ton carburant. Oui, c'est pas une science exacte, hein, je sais, la mise en orbite. Mais ouais, je suis d'accord, il y a moyen d'optimiser, mais je préférais la jouer safe pour éviter que la fusée se déséquilibre. J'ai déjà plusieurs fois eu le problème où elle faisait des pirouettes. Hein. Mais ouais, j'essaierai de muser. Il faudrait que je revoie un petit peu les tables de les vitesses terminales aux différentes altitudes pour essayer de régler un petit peu mes poussées. Après là, on a pris vraiment une trajectoire très verticale. On aurait pu beaucoup plus aplatir, beaucoup plus tôt, je pense. Et ça serait passé tout aussi bien, mais bon. Bon, du coup, on est en orbite, on va essayer d'aplatir. Après, on a encore tout un étage de dispo, donc ça va. Hop. Séparation, il nous reste l'étage supérieur. On va gentiment mettre à feu. Et comme on n'a pas encore les indications de trajectoire, de temps, etc., il va falloir mettre un petit peu à la grosse pour une mise en orbite relativement propre. Alors, on a 100 km d'altitude. Jusqu'ici, tout va bien. Avec ce qu'on a en termes de carburant, ça devrait le faire. Hein. Ça devrait être pas mal. On avait prévu assez large. Kerbal Engineer aide pas mal pour ça. On peut profiter de cette vue quelques instants. De nos débris qui nous suivent. On va pouvoir faire une mise à feu sous peu, je pense. On a 800 mètres secondes à récupérer. On va dire que c'est pas mal. Tu vas décélérer comment après? Ben, j'ai encore pas mal de carburant, donc il va y avoir moyen de décélérer, de retourner la fusée, de décélérer. Et après, pour la descente, on va miser sur l'aérobraking, forcément. À l'ancienne. On a un bon bouclier thermique, donc ça devrait pas poser de soucis. Il nous manque encore 400 mètres secondes, mais on est un petit peu en avance sur notre APOAPS, qui est le point le plus haut de notre orbite. Excusez-moi. Voilà. Du coup, c'est le point le plus haut de notre orbite. On a encore un petit peu de temps avant de l'atteindre. Pour l'instant, il est à 101 km d'altitude. Et là, on arrive. On voit que le point le plus bas est au-dessus de la surface. Et donc là, 101, 108, on a circularisé notre orbite, c'est-à-dire qu'on a une orbite globalement circulaire autour de Carbine. Et tant qu'on touche plus, notre vaisseau va rester en orbite. Et ça, c'est bien. Donc Jeb, il est content, il a fait son orbite. Par contre, tu peux pas faire dévier encore parce qu'on n'a pas amélioré notre Space Center. Mais ça viendra avec la suite de nos opérations. Alors, on a rempli nos deux missions, c'est parfait. On va essayer de revenir jusqu'au Space Center. Allez, on va essayer de faire une rentrée propre. C'est-à-dire qu'on va essayer de revenir à peu près au Space Center. Peut profiter de la vue. Hein. Bon, là, on est de nuit, donc c'est moins cool, mais. Est-ce qu'on a la lune dans le coin qu'on pourra voir? Il y a Jab qui s'énerve. On a Kerbol qui est dans le fond, qui vient d'apparaître. La lune est où? Elle est encore loin. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, vérifier un petit peu où est-ce qu'on va. Hop. On survole pas mal de choses. On va profiter un petit peu du paysage. Ouais, donc l'objectif c'est la lune. Au moins, peut-être pas pour ce premier épisode parce que il faut quand même un petit peu de temps et on va avoir pas mal d'étapes intermédiaires, mais bon. On a confiance. Je pense que ça va être pas trop mal. Peut-être être un petit peu court. Un peu court dit voilà
3 km d'altitude. On devrait arriver globalement au Space Center. C'est pas garanti, mais on devrait arriver globalement là-bas. À nouveau, souvenez-vous, l'astrophysique n'est pas une science exacte. Peut même faire la séparation normalement maintenant. Ouais, accélérer un petit peu le temps parce que sinon on en a pour fini. Parce que automatiquement, selon les altitudes, les vitesses se modulent, les vitesses, les accélérations. Du coup, là, on est en x10, mais ça va repasser. Ah si. Non, non, c'est pas une science exacte. Dans Kerbal, c'est pas une science exacte. Ah, voilà une. Notre objectif, là-bas. Les trajectoires, si. Ouais, les trajectoires, c'est quand même hyper important. Après, la Lune, si on dosait vraiment le jeu, on pourrait essayer d'atteindre la Lune sans utiliser les trajectoires. Mais ça demande quand même pas mal de taf. Bon, on va se faire le découplage tout de suite. Hop là. On va se mettre notre bouclier thermique en visuel, mais normalement il devrait pas y avoir de problème. Jeb va profiter un petit peu de la surface. Et d'ailleurs, on doit pouvoir. Voilà, se mettre en vue interne. La physique théorique n'est pas une science exacte. Si des physiciens nous regardent, sachez que vous n'êtes pas exact. Sachez-le. Tous les gens qui ont joué à Kerbal vous le diront qu'on n'est pas sûr. Du coup, ben voilà, c'est la vue interne qui permet aussi de s'amuser un petit peu. On a la plupart des indicateurs qui se retrouvent. Par contre, piloter une fusée à partir d'un timbre poste, bon courage. Oh, tu vois un petit peu. Un bon petit peu l'espace. Alors, radar d'altitude, on est encore très haut. Vitesse verticale, on est en chute libre à peu près 100 mètres seconde. La navbol, elle dit que pour l'instant, on est bon. Hop. C'est vrai que pour l'instant on est dans une trajectoire, etc. Mais après, là c'est beaucoup jugé pour savoir exactement où on devrait finir. C'est. La caméra c'est C, je crois. Voilà. On va profiter un petit peu de la vue extérieure quand même. Alors qu'on voit que notre bouclier thermique est déjà en train de manger alors que. Ouais. Alors qu'on est à peine en train de commencer notre rentrée. 50 km d'altitude, on commence déjà à cramer. Donc comme on a activé le brouillard, enfin la transmission plasma, enfin le plasma qui gêne les transmissions, on voit que notre puissance de signal est en train de diminuer peu à peu, jusqu'à arriver à un moment à une coupure complète. Si jamais on était sur une sonde, on pourrait pas piloter la sonde pendant un certain moment, et ça serait fâcheux. Là comme on a un pilote à bord, on n'a pas de problème. On peut voir à quelle station on est raccordé, donc la station Kerbin sur l'anneau du cratère qui doit être quelque part dans le coin, qui doit être là-bas. On devrait bientôt se faire attraper par le Space Center. Qu'est-ce qu'il dit notre trajectoire? Ah, on va être un peu long. On va être un peu long. Non, on va être un peu court, pardon, je pense. On va devoir arriver dans cette zone-là, je pense. Peut-être sur la Terre, peut-être dans l'eau, mais globalement, on va pas être très très loin du Space Center quand même. Bon, on est quand même à 2200 mètres secondes encore. Hein. 2000 par rapport à la surface. Notre bouclier thermique est à 185, donc ça va. Et là, du coup, voilà, on est dans la zone de coupure des communications, donc là, on n'a vraiment aucune possibilité de contrôler une sonde. Par contre, comme on a un membre d'équipage, on a la possibilité de contrôler quand même notre module, même si là, bah, il est dans une trajectoire, et vu qu'il est dénué de tout moyen de pousser. Ça ne sert à rien d'essayer de le contrôler. Du coup, grâce à notre mission, vous devrez gagner quand même pas mal de thunes. Pas forcément beaucoup de science, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'expérimentation scientifique à bord. Mais on devrait gagner pas mal de thunes, ça va nous permettre d'améliorer le centre des astronautes, des carbonautes, et de faire des sorties extravéhiculaires. Ah, mais t'es un petit peu court. Je pensais qu'on serait à peu près bon pour arriver sur le Space Center, mais. Salut Raidit, comment ça va? Bienvenue sur cette réentrée.
Aujourd'hui, il fait chaud, il fait à peu près plusieurs milliers de degrés en surface. Plusieurs centaines de degrés en surface, du coup. Un conseil pour que tes lives soient plus agréables à regarder, aggraver ta caméra. Aggraver, approcher. Changer ma caméra, je sais que ma webcam est un peu pourrie, donc. Ah, agrandi. Ma caméra perso? Vous voulez me voir en plus grand? Vous tenez vraiment à me voir plus grand? Ah, écoute, on va faire ça après si tu veux. On atterrit, on retourne au Space Center et puis on va se mettre un petit peu en plus grand comme ça. Vous pourrez voir toute l'étendue, n'est-ce pas, de mon charisme. Et aussi éventuellement mes boutons sur la tronche. On a encore 200 mètres secondes, 4000 mètres. Jusqu'ici, tout va bien. 3000. 2005. Bah oui, parce que là je me casse les yeux pour me voir. Oh, tu sais, je ne suis pas le clou du spectacle. 5, 4, 3. Et bon, là du coup, on va accélérer un petit peu le temps. 250. 200. 150. 100. Et splish ploche dans 25 mètres. Félicitations Jeb, tu es officiellement le premier Kerbal à avoir fait un tour de carabine. Tu es le Yuri Gagarin de notre temps. Alors du coup, retour au Space Center. On va voir un petit peu ce qu'il en est. 10 de chance, ça se prend toujours, du coup on est à 39, ça va permettre bientôt de nous débloquer quelque chose. Et 400 000 balles, ça c'est bien. Jeb est passé au niveau 1, donc c'est très bien. Il va pouvoir débloquer de nouvelles compétences. Tu devrais jouer avec d'autres streamers pour te faire connaître. Ouais, mais après je connais pas trop de streamers hein, perso. C'est pas des. De toute façon, je fais pas des jeux qui sont ultra populaires non plus. Voilà, bon Kerbal, c'est parce que j'avais envie un petit peu de me faire plaisir sur l'après-midi, mais c'est pas trop. Ah, ils ont changé l'interface de stream là, mais c'est horrible. Soudain, il est perdu. Ah, on dirait que je suis blond. Là. Toujours pas. Après, je suis peut-être pas. Je suis peut-être un peu flou. Un petit peu plus grand, c'est mieux? Après, à nouveau, c'est pas le but, c'est pas trop de me mettre en avant, je préfère beaucoup présenter le jeu, etc., que j'en profite un peu du jeu. Mais merci beaucoup pour tes conseils, Reddit, c'est très sympa. Et ils sont bien notés. Du coup, d'où qu'est-ce qu'on en est? On en est au Space Center. Space. Est-ce qu'on peut améliorer notre complexe d'astronaute? Oui. Et du coup, 75 000, ça coûte pas grand-chose. Yuri Gagarin a été premier à être allé, avoir été dans l'espace, pas le premier à être allé dans l'espace. Gagarin, c'est pas le premier à avoir fait à être en orbite? Parce qu'il me semble que précédemment certains sont allés jusque l'espace, mais ont pas fait un tour de la Terre. Peut-être que je dis des conneries. Hein. Non, par contre, j'étais choqué de découvrir il y a relativement peu de temps que Yuri Gagarin était quasiment inconnu de la plupart des gens. C'est genre très bien. Juste le premier dans l'espace. D'accord. Autant pour moi. Je me trompe. Quand même, pensons juste à lui qui était quand même très très badass. Rappelons quand même qu'à l'époque, aller dans l'espace consistait quand même à s'attacher sur un véhicule pas très fiable. Et c'est quand même un exploit assez impressionnant. Du coup, plein de thunes. Plein de thunes et pas assez de science. Pas assez de science pour se payer à la suite. Du coup, qui dit pas assez de science dit quand même expérimentation. On va peut-être en profiter cette fois-ci pour faire une mission un peu plus scientifique.
La Mystery Goo, on avait déjà utilisé dans l'espace, donc c'est bon. On va pouvoir prendre. Ah, on peut gruger. On peut faire les raclures de bidets. On va d'ailleurs faire ça. On va faire hop. On va aller gratter de la science sur le pas de tir et sur la piste de décollage. Ça nous permettra d'arriver à 45 et de débloquer le prochain palier. Du coup, capsule. Capsule science. Science. Hop. On va se mettre, le thermomètre, on l'avait déjà utilisé. On va se mettre le baromètre. Et c'est bien. Voilà. Attention, ça va être une mission glorieuse de quelques secondes. Alors, 7,5 de science, c'est très bien. Et 3,6, et ben voilà, ça nous fait 10, c'est parfait. Voilà, 50 de science, c'est très bien. Ouais, du coup, Redzit, pour tout ce qui est stream avec quelqu'un d'autre, ça va être Tandax, parce que pour l'instant, j'ai pas trop de connaissances dans le monde du streamer. Puis après, je pense que c'est pas des jeux à nouveau sur lesquels je joue pas en multi, etc. Je suis pas trop fan du multi en général. Mais bon, on va peut-être rencontrer des gens sympathiques et se faire des amis au cours de notre chemin, de notre pérégrination. Alors, des ailettes, on s'en fout. Ça sert un peu à rien. Stability Enhancer, c'est pas mal, mais ça sert pas à grand chose non plus pour l'instant. Et on a des trucs qui nous permettraient de rigidifier notre fusée, ça peut être pas mal. Mais mieux encore, on a des parties d'avion. Parties d'avion qui devraient nous permettre d'accéder à quand même pas mal plus de choses. Alors, on va faire une marche d'orbite, une sortie orbitale de carbine. Donc, bah ouais, on prend. Hein. Cette fois-ci, essayez de garder votre casque libre de tout. Dénué de tout fluide corporel. Je préfère ne pas savoir ce qui s'est passé lors des missions précédentes. Alors, du coup, là, on a des missions qui sont aussi un petit peu différentes. On a des types de missions qui apparaissent au fur et à mesure et qui se développent. On a des relevés atmosphériques. Par exemple, donc là on doit prendre un relevé atmosphérique, une relevé de pression en dessous de 19 300 mètres près de Kerman's Gambit qui est sur la carte. On va aussi avoir des relevés de température, des tests de pièces comme on a vu précédemment avec le découpleur, mais on va aussi avoir des touristes qui vont commencer à vouloir profiter de notre système, de notre complexe. Du coup. Par exemple, ici, on doit avoir 4, on a 4 touristes qui veulent faire un petit tour et qui veulent flipper leur maman dans une aventure à haute pression. Donc, on veut l'objectif, c'est de prendre ces touristes, un par un ou les 4 en même temps si vous avez déjà des gros avions, et de les faire s'évanouir avec les jets. Sauf que pour l'instant, on n'a pas du tout le moyen de le faire, donc du coup, ça ne nous intéressera pas. On va du coup décliner ça. Et on a des touristes qui veulent faire l'orbite de Kerbin. Donc du coup, ça nous ramènerait pas mal de thunes. Par touriste, on peut voir qu'on gagne quand même pas mal. Mais pour l'instant, on n'a pas trop les moyens de le faire. Ce qu'on va essayer de se faire, c'est une un relevé atmosphérique. Du coup, pour ça, on va débloquer les avions. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Parce qu'autant avec les capsules ça va, qu'avec les avions j'ai toujours les mêmes problèmes au décollage et c'est ridicule. Du coup, on a besoin d'un cockpit, évidemment. On a besoin de fuel, de carburant. On va avoir besoin de. Ah ouais, merde, j'ai pas encore le. Du coup, pour l'instant, structurel non, non. J'ai pas encore ce qu'il faut pour alimenter le réservoir principal. Bon, c'est pas grave ce qu'on va faire, on va les vider. Du coup, on voit qu'en termes de poids, on est passé à 1,7 tonne, alors que si un des réservoirs est plein, on gagne 2 tonnes.
Donc là, on va quand même gagner pas mal de choses. En termes d'aérodynamique, allez, on va se prendre un connecteur arrière qui va finir un petit peu. Bon, c'est un petit peu long quand même ça. Est-ce qu'on peut pas faire plus court? On peut faire ça avec un. Voilà. Le but, c'est pas qu'il soit beau, c'est qu'il vole. Et pour voler, on va quand même devoir lui mettre des ailes et surtout des moteurs à un moment, sinon ça va se voir. On va se mettre des ailes, le type B, je crois que c'est les grands, ouais. Alors là, on va avoir pas mal d'indicateurs à surveiller. On va voir le centre de masse, le centre de poussée et le centre aérodynamique, en gros. Pour l'instant, on voit que la poussée et l'aérodynamique sont à zéro vu qu'on n'a rien fait. Et on voit que le centre de gravité de l'appareil est quand même très en avant. C'est pas grave. On va déjà se mettre des ailes. Ce qui est globalement une bonne idée. Hein. On va les mettre là. On va se mettre aussi des extensions ici. Et on va se mettre des ailerons pour contrôler le tout. Quand même mieux. Hop, on va mettre plein d'ailerons. Moult ailerons. Excusez-moi, j'ai cru qu'on m'appelait, mais non. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin d'un aileron de queue aussi pour contrôler un petit peu mieux. C'est un gros gros aileron de queue quand même. Et on va avoir surtout besoin de moteur à un moment. Sinon, on n'ira pas bien loin. Du coup, hop. On va se mettre deux moteurs. Enfin, deux réservoirs, pardon. On va se mettre des petits moteurs. Et les moteurs, ils ont besoin d'une entrée d'air. Voilà. Du coup, c'est pas mal. Le problème, c'est que notre masse, notre centre de gravité est encore très en avant. Donc, j'aimerais bien mettre éventuellement des petits ailerons qui vont nous permettre d'avancer le centre. Ah, mais là, c'est vraiment trop ridicule. Est-ce qu'on peut mettre autre chose? On peut mettre des gros ailerons qui vont avancer notre centre de. C'est pas très le style. Je me suis trompé, Yuri Gagarin a bien fait une orbite. Tu avais raison. Ouais, j'avais un doute aussi, j'avoue que j'étais pas trop sûr. Et ouais, il me semblait bien qu'il avait fait une orbite. Bah, par contre, ce qui est triste à savoir, c'est que il est mort dans un accident d'avion quelques années plus tard. C'est un petit peu dommage pour un héros de l'humanité, puisque je considère quand même que c'est un héros de l'humanité, qu'il ait ainsi disparu. Mais bon, personnage intéressant. Et à l'époque, niveau soviétique, ils étaient quand même pas trop clean sur ce qui se passait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi limiter ce à quoi servent chaque aileron. Donc le roulis, c'est pour que l'avion roule sur son axe avant-arrière. Le pitch, donc c'est la. C'est pas le tangage, c'est le. Si, c'est le tangage. Qui va faire sur son. Sur son axe gauche-droite et le roulis qui il me semble du coup je t'engage non le lacet pardon qui va être contrôlé par l'aileron arrière qui va contrôler sa rotation sur l'axe au bas quand même, autour de l'axe au bas. Du coup par contre ce qu'on veut c'est pas c'est que tous les ailerons ne fassent pas le taf et surtout que le gros aileron supérieur il soit pas trop trop puissant parce que sinon ça va faire n'importe quoi. Du coup où est-ce qu'on en est? On en est à 21 parts. 21 morceaux, c'est bien. C'est très bien. Et maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de quoi décoller. Non, du coup, deux écoles. Il y a ceux qui mettent la roulette à l'avant et ceux qui mettent les roulettes à l'arrière. Donc, du coup, on essaie de mettre la roulette à l'avant, ce que je ne fais habituellement jamais. Avec la symétrie, c'est mieux. Et on va s'assurer que c'est à peu près bon. Ça m'a l'air pas trop mal. Électrique, on s'en fout puisqu'on a une génération du moteur. On a besoin d'un
Bah, remettre sur le dessus, comme ça on va y accéder facilement, et d'un thermomètre, pardon. J'ai pas du tout hésité sur ce mot, c'est faux. Et nous allons appeler ce magnifique appareil, très bel appareil Maryse, nous allons appeler le K1 tel le Kerbal One. Et on avait dit que notre pilote de test serait Valentina. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Si vous avez été attentif, vous avez pu remarquer que le rapport poids-puissance est très peu élevé, mais c'est normal sur un avion. Alors, on va profiter de cette piste, la piste toute pourrie. On va faire un quick save parce qu'à chaque fois j'ai des problèmes avec le décollage. Puisque les moteurs, enfin le l'avion a tendance à faire un tour de droite un peu bizarre. Alors c'est parti. Jusqu'ici ça a l'air d'aller. Ça serait bien que tu puisses décoller. Oui, nous voulons lancer. Et là, vous me dites, est-ce que tu as pensé à prendre la mission? Et je vous dirai bien sûr que non. Non, 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 non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça nous permettra quand même de récupérer des données atmosphériques, il me semble. Voilà. Et on est assuré que notre K1 arrive à décoller. On peut même profiter de cette merveilleuse vue intérieure, hein. Notre cockpit. Hein. Pour rigoler, on va essayer d'atteindre là-bas, puisque il y a un petit Easter egg. On va profiter pour aller le voir. Ah, c'est pas très la stabilité quand même. Hein. On n'avait pas de pousser à fond. Il n'est pas super stable. Hein. Pour l'instant, écoutez, notre premier vol inaugural du K1 se passe très bien. Nous avons une vitesse sol de 200 mètres seconde. Et vous allez voir qu'après, les embrouilles vont commencer quand on va essayer d'atterrir. Mais là, on a décollé, c'était dangereux. On va atterrir, ça va être funky. Du coup, on en est où? On se dirige vers le soleil couchant. Très beau crépuscule. Crépuscule, soleil levant à l'est, c'est ça. Crépuscule, pardon. Du coup, tout à l'heure, je lui dis des conneries quand j'ai dit que j'aime profiter de l'aube, profiter du crépuscule. Voilà, maintenant qu'on est assez rapide, on va essayer d'atteindre ce petit point blanc là-bas. Puisque c'est l'ancien Space Center, enfin, c'est le Space Center sur l'île, qui est là-bas, et on va essayer de l'atteindre. Ça nous permettra en même temps de faire un petit test d'atterrissage de ce magnifique appareil. On est à 1100, 1300 mètres d'altitude. On a une vitesse horizontale qui est pas mal. Par contre, nos moteurs ils sont quand même pas hyper puissants. On va garder une petite poussée pour éviter de faire sproch. Alors, on approche de la piste, on est encore beaucoup trop rapide pour se poser, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va perdre de la vitesse avec des petites manœuvres au bas qui vont nous permettre de freiner un petit peu notre avion. On a perdu déjà 80 mètres secondes. Alors, tentative d'atterrissage. En douceur, autant que possible. Alors, quand on aura à nouveau le pilotage dans les doigts, on pourra essayer de faire un atterrissage en vue intérieure. Pour l'instant, on va essayer de faire survivre Valentina.
petit peu court pour la pousser. Alors besoin de... Bon, déjà le bon point c'est qu'il plane pas mal. C'est un bon planeur. C'est bon, on a atteint la piste. On va arrondir. Hop là. Le rebond. On va activer les freins. Voilà. On a pas mal ce vol inaugural. Pas mal du tout. Donc du coup, on va désactiver les freins. On va montrer un petit peu ce qui traîne dans le coin. C'est comme une grosse voiture. Donc il y a l'ancienne tour de contrôle ici, qui est peut-être encore l'actuelle du Kerbal Space Center, mais je ne crois pas. Alors on va essayer de ne pas perdre de morceaux. Hop là. Et donc là, ce qui est rigolo, c'est que dans ce hangar, on a un ancien type de la capsule de base qu'on a déjà utilisé du coup dans nos missions précédentes. Donc ça, c'est la première version qui a été utilisée dans l'Alpha 1, je crois. Donc il y avait première version, on a la version du réservoir de carburant de base qui était disponible dans l'Alpha, et on a aussi le moteur qui était disponible dans l'Alpha. Donc petit souvenir pour ceux qui ont commencé le Kerbal très très tôt, qui l'ont pris très tôt. On va récupérer l'avion, et on va pouvoir se lancer dans une mission scientifique maintenant. Maintenant qu'on sait que ça marche. Un point d'XP, ça va pas être encore suffisant. Du coup, on va voir depuis la station. Puisqu'ici, on a la tracking station qui va nous permettre de suivre un petit peu nos missions, la présence de nos vaisseaux en orbite des différents corps du système. Hein, puisqu'on peut voir qu'il y a la Lune. Il y a Minmus, qui est la deuxième Lune de Carbine, oui. On a Eve, Moho, Duna, Dress, Joule et Ilo en plus de manier. Et après, certaines planètes ont plusieurs satellites. Il me semble que Joule en a plusieurs. On peut même zoomer dessus, on peut le voir de près. On peut voir Joule dans toute sa splendeur verdâtre. Donc on peut voir Late, Val, Tilo, Paul et Bop. Tous les satellites de Joule. Donc du coup, le Space Center qui va nous servir pas mal après quand on aura des... Comment dire, des vaisseaux en orbite autour de différents systèmes. Parce qu'on va pouvoir faire plusieurs lancements à la suite, etc. tranquillement. Du coup, au niveau des missions, Kerman's Gambit, c'est pas très loin. Alors, above 17 km de altitude, on va pas avoir la possibilité de balancer un avion suffisamment haut. Par contre, below 19, c'est très bien. Above, below. On peut éventuellement se faire celui-ci. Bill's Resignation. Soit Bill's Resignation, soit Kerman's Gambit. On va voir ce qui rapporte le plus, et puis on va se faire la mission scientifique qui correspond. Oh, les deux. Kerman's Gambit, elle nous rapporterait en gros 20 000, 21 000. Et l'autre... Ouais, il va quand même nous rapporter plus. Hein. 31 en avance, 57 si on le finit. Ouais, y'a pas photo. Du coup, on va se prendre ce contrat-là. On va même après améliorer notre mission control. Ça nous permettra de prendre plus de contrats, comme ça on va pouvoir récupérer le deuxième. Et Valentina va être prête pour sa première mission... mission scientifique. Donc du coup, on va accélérer jusqu'au premier matin suivant. Ça va être un petit peu plus sympa. Sur le K1, est-ce qu'on avait... Ouais, on avait un thermomètre, c'est bon. Val, t'es reparti. On est reparti. Après notre premier test concluant, on peut se lancer dans des missions. Alors, par où on va commencer? On va reprendre d'abord la direction de Kerman's Gambit, et puis après on va revenir par les deux autres centres de mission. Le SS c'est bon, la poussée c'est bon, mise à feu!
décollage, décollage, décollage. Petit peu de mal au décollage, mais ça va quand même. Il a du mal à décoller du sol quand même, hein. 80 mètres secondes, on a connu mieux. Voilà, on va se mettre dans la direction de notre objectif. On va prendre une légère montée qui va être à mettre en sécurité en cas de problème. On va accélérer un petit peu de temps, sinon on va s'ennuyer. Bon, du coup, pour l'instant, tout va bien. 3500 mètres d'altitude, 275 km/h. 275 mètres secondes, pardon. Pas du tout km/h, rien à voir. Et on va arriver bientôt à Kerman's Gambit. Voilà. Kerman's Gambit, on devait y faire un relevé de pression. Relevé de pression. On a récupéré les données de Kerman's Gambit, c'est bon pour nous. Du coup, on va pouvoir aller vers Bill's Obsession. On aura ici W34 et Bill's Obsession. Wouhou! Donc, on peut voir que la force léger qu'elle prend augmente, mais bon, pour l'instant, Valentina est robuste. Elle n'a pas peur d'une si petite pression. En route pour la suite. Donc on peut voir qu'on est encore légèrement au-dessus de notre ligne rouge bleue, qui permet de dire qu'on est globalement à l'équilibre. On voit que notre altitude descend mais très lentement, par la même elle remonte. Et du coup c'est plutôt bon. C'est-à-dire qu'on est en vol à plat. Alors, du coup on est en ces trois spots à repérer, récupérer, donc ça va nous faire pas mal d'argent, un petit peu de science. Et on pourra se lancer grâce à ça dans la construction de notre, de l'amélioration de notre Space Center, de notre, Tracking Station, pardon, pour avoir les trajectoires prévues et donc un petit peu mieux planifier nos missions, ce qui nous permettra peut-être d'atteindre la Lune. Alors, ça c'est bon, il nous a mis le point suivant en mire. Ouais. Hop. C'est bon pour celui-là. Et en route vers Bill's Resignation. Ouais, c'est vrai qu'on récupère la température, c'est pas plus cher. Donc c'est un petit crew report. Voilà. Au moins on ramènera un petit peu plus de science. Sur les montagnes, la chaîne de montagnes qui borde le Kerman Space Center. Alors, où est-ce qu'on en est? Hop. Bill's Resignation. Et on récupère. Et c'est bon. Il ne reste plus qu'à rentrer au Space Center. Par là. Et à nous poser avec élégance sur la piste. On va se mettre déjà légèrement en descente. Jusqu'à peu près 30 mètres d'altitude. On peut voir que la léger a remonté d'un coup quand on a redressé, parce qu'on avait quand même pris pas mal de vitesse. On va ralentir peu à peu. On n'est pas encore visu sur le Space Center.
On pourrait se poser n'importe où et récupérer le vaisseau, mais plus on est proche du Space Center et plus on récupère d'argent par rapport aux pièces récupérées, puisque du coup quand vous récupérez des pièces, elles sont recyclées et elles sont et vous récupérez de l'argent dessus. Et donc du coup plus vous atterrissez près du Space Center et plus vous récupérez d'argent. Donc ça peut être économique d'essayer de d'aller chercher un petit peu plus un petit peu plus loin. Je vois là quelque chose là-bas, ça doit être le VAB qu'on voit là-bas, le véhicule d'assemblée building. Encore assez haut, et encore très rapide. Ouais, c'est ça, c'est bien le VAB. Alors une bonne idée aussi, c'est en général de planter un drapeau juste à côté et de cibler le drapeau, ça nous permet d'avoir la distance par rapport à l'objectif. Alors on voit la piste. Allez, on va se tenter un atterrissage. Alors, on est là pour prendre des risques. Pas trop fan de la vue intérieure, enfin si j'aime bien la vue intérieure, mais ça demande un petit peu plus de doigté que la vue externe qui nous permet un bon contrôle de la chose. En termes de vitesse verticale, on descend à 10 mètres par seconde, on est à 2000 mètres d'altitude à peu près. On est bientôt à 1000 d'ailleurs, notre altitude. C'est le radar altitude qui va nous servir beaucoup puisque ça va être celui qui va nous donner la distance au sol. Notre vitesse verticale puisqu'on va essayer de la réduire au maximum avant de se prendre la piste. Et bien sûr aussi notre altitude ici, notre altimètre ici qui va nous donner un petit peu où est-ce qu'on en est. On va remonter un petit peu notre poussée. Un petit peu manœuvrer pour perdre de la vitesse. C'est pas mal. Jusqu'ici, on est pas mal. Hop, on va se décaler légèrement. On n'est pas exactement sur la piste, mais bon. Et ben voilà. Les freins sont activés. Easy. Like a glove. Le suspense était insoutenable. Alors, on a 33 de science, c'est bien. Mais c'est pas assez. Par contre, on a 361 000, c'est pas mal. Et mettre à jour notre tracking station, ça coûte 150 000. C'est pas mal non plus. Voilà. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir voir les trajectoires, on va pouvoir planifier surtout notre vol. Et planifier son vol, c'est important. Qu'est-ce qu'on a encore à faire? Rien de trop important. Ce qu'on va essayer de faire, c'est faire une orbite et une sortie spatiale, puisque on va pouvoir profiter aussi des biomes, donc des différentes zones de la planète, pour récupérer un max de science grâce à l'observation. Donc on va utiliser notre orbiteur 2, qui a bien marché. Écoutez, deux fois moins que l'orbiteur 1, qui n'avait pas bien marché. Du coup, orbiteur 2, très bien. Jusqu'ici tout va bien. On va prendre Jeb puisque c'est notre pilote de fusée. Contrairement, complètement arbitrairement d'ailleurs. Je crois qu'on est à peu près bon. Est-ce qu'on tente de se prendre le Science Junior? Oui, on va essayer de se le faire. On va faire ça. Voilà.
Du coup, on a un peu moins de puissance, mais on avait quand même pas mal de marge avec ce qu'on avait précédemment. Le but, ça va être de prendre le Science Junior, évidemment, de l'utiliser pendant le vol dans l'espace, puis ensuite de récupérer les données pour les mettre dans la capsule. Si on avait eu un module automatique, une sonde automatique, un corps de sonde, on aurait pu l'utiliser avec le SAS pour piloter et mettre un scientifique dans le module, mais ce n'est pas encore le cas. Du coup, on a fait une modif. Ça va devenir notre orbiteur 3. On avait dit qu'on avait Jeb au pilotage. C'est parti, mon chi. Voilà, du coup, comme Jeb a un monde de niveau, il a des nouvelles compétences qui permettent de viser le vecteur prograde, donc qui va nous permettre d'avancer en gros, et le vecteur rétrograde qui va nous permettre de reculer. En simplifiant beaucoup, hein, je simplifie énormément, parce qu'après ça dépend pas mal de situations, etc. Bon ben on est prêt. 3, 2, 1, mise à feu. On va essayer de se mettre à peu près à 75% de poussée pour le moteur suivant, pour le LVT 45, puisqu'on risque de perdre un petit peu d'efficacité. Comme vous avez fait remarquer Maximum de Kiff, à juste raison. C'est d'aplatir relativement tranquillement notre trajectoire. On a 10 km d'altitude, c'est pas mal du tout. Mais tu as raison de mettre ces lunettes de soleil du style. Tu as complètement raison de me dire que, en effet, j'ai gâché quand même pas mal de carburant, je pense. Et là, on va être sur un transfert un petit peu plus efficace. Où est-ce qu'on en est en termes d'APOAPS. Maintenant, on peut voir combien de temps il nous faut avant de l'atteindre, dans combien de temps on va atteindre notre point, ce qui va nous donner quand même pas mal d'indications, surtout après quand on va pouvoir planifier nos poussées. On va continuer d'arrondir notre montée jusqu'à être à peu près à 70, 80, à 80 km, on va pouvoir s'arrêter, je pense. Et après, on va pouvoir tranquillement planifier notre mise en orbite. Ça sert à rien de pousser verticalement puisque au bout d'un moment la poussée horizontale permet aussi d'améliorer notre orbite. Voilà. Nous voilà à 50 km d'altitude. Jeb est en pleine forme. Il peut même faire un petit rapport depuis la haute atmosphère. Et on va planifier une mise en orbite. Donc, on va rajouter une manœuvre depuis l'APOAPS, qui est l'endroit le plus haut. Et l'objectif, ça va être de faire en sorte que notre indicateur d'APOAPS et de périAPS soit un petit peu de chaque côté, voilà, de Kerbin. Voilà. Donc là, si on suit bien notre guide, on va arriver à 80 km d'altitude à notre APOAPS et 79 à notre périAPS, qui va être le point le plus bas. On doit démarrer notre burn dans 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Par contre, il y a de bonnes chances qu'on doive changer de moteur en cours de route, ce qui devrait changer un petit peu notre trajectoire, puisque là, en effet, nous n'avons plus de carburant. C'est pas grave. D'ailleurs, on peut voir que, du coup, notre temps de burn a changé, et notre début de burn a changé aussi, puisqu'on a un moteur qui est beaucoup plus efficace. Donc, du coup, on a 30 secondes à brûler. On va en profiter pour faire notre petite expérimentation. Voilà, 25 de science, ça se prend et c'est parti mon kiki. Es partido mon kikos. Ou kiko. 20. 15. 12, 10, 5, 4, 3,
2, 1, stop! Hop! Histoire de vraiment être bien précis, on va rattraper les quelques mètres secondes qui nous manquent pour bien correspondre à notre trajectoire. Voilà! C'est ce que j'appelle une manœuvre rondement menée. Du coup, maintenant ce qu'on peut faire, c'est prendre Jeb, l'envoyer en EVA. Ce qui va du coup nous remplir notre contrat. Voilà. Et il va pouvoir faire des EVA reports depuis l'espace. Hein, et depuis chaque biome. Et alors là, ça va nous rapporter pas mal de science. Take Store. On va même pouvoir se décrocher de la fusée. Les contrôles ont changé par rapport à ce que j'avais l'habitude. On va pouvoir récupérer les données. On a ce petit son de respiration au micro qui rappellera les meilleurs moments de ceux qui ont suivi 2001 l'Odyssée de l'espace. Rappelez-vous cette scène. Rappelez-vous ces scènes de sortie extravéhiculaire. Où nous n'entendions que le son des micros, des souffles dans les micros. Alors, Grassland, on prend. Si on avait installé un module Carbon Engineer, il nous aurait donné au-dessus de quel biome on était en temps réel, et ça nous aurait pas mal servi, parce que là on va être un petit peu au pifomètre. Grassland aussi. Grassland. Toujours Grassland. J'aimerais bien Shores, ça serait bien. Shores, c'est très bien, on va le stocker. Donc voilà, on va se faire une orbite, tranquille. C'est notre Alexei Leonov Kerbalien, exactement. Oui, c'est vrai que c'est Alexei Leonov qui avait fait la première sortie extravéhiculaire de tous les temps. Qui était lui aussi soviétique. Les soviétiques ont été les premiers dans beaucoup de choses au niveau de la conquête spatiale. Et il me semble, information à prendre avec des grosses pincettes, que Leonov avait un appareil photo pour prendre des photos pendant sa sortie extravéhiculaire et qu'il l'a pas, qu'il l'a perdu. Alors, hop, perdu l'appareil. Donc il y a un morceau d'équipement qui devait quand même coûter pas mal. Alors, où est-ce qu'on en est? On va le faire rentrer dans la capsule. Parce que du coup, on va se faire quelques orbites en espérant. Donc là, c'est les Shores et Grassland encore une fois. Et Grassland et haut, donc ça ne sert à rien. On pourrait le laisser en orbite un bout de temps. Hein. La question ne se pose pas, mais. On tient quand même à voir revenir de Jeb pour qu'il puisse triompher. Il défile dans une limousine à toit ouvert sur dans Kerbal City ou peu importe. Que les gens l'adulent. Tel le héros de la conquête spatiale qu'il est. Grassland, on a déjà. Toujours Grassland. Donc on en a pas besoin. On va arriver vers les Highlands, il me semble. Yep. Highlands, je stocke. Donc là, à nouveau, le but, ça va être de prendre un maximum de données de terrain pour avoir un maximum de science. Je viens de remarquer pour la première fois que maintenant les Kerbals sont équipés de parachutes. Mais ça, je savais pas. Du coup, c'est bon à savoir, parce que ça veut dire que si on a un avion qui part en couille, ce qui n'arrivera pas du tout, ça peut être sympa pour le sauver. Je sais pas, mais il a rencontré de gros problèmes lors de sa sortie dans l'espace, notamment à propos de sa combi, mais pas que. En même temps, ça m'étonne pas trop. Je pense que toute la période d'exploration spatiale, c'était vraiment de l'exploration, en fait. Les gens ne devaient pas vraiment s'attendre à quoi... Enfin, ne devaient pas vraiment savoir à quoi s'attendre. Du coup, il devait y avoir pas mal d'expérimentation. Et je pense que pour y aller, il fallait vraiment avoir confiance. Il fallait vraiment avoir la foi, quoi. La foi, pas forcément religieuse, la foi, juste, fallait s'accrocher, quoi. Fallait des bollocks en titane pour supporter l'idée d'y aller. Et je pense que, ouais, je pense que ça demandait vraiment du courage, un vrai courage de se dire, allez,
J'ai confiance pleinement dans les ingénieurs qui ont designé ce truc, je suis sûr que tout va bien se passer. Et ça m'étonne en fait qu'il n'y ait pas eu plus de morts et plus d'accidents finalement dans l'ensemble de la conquête spatiale. Il y a eu très peu de morts côté américain, il y a eu ceux d'Apollo 1. Je parle vraiment de la conquête, hein. Je parle pas de Challenger par exemple, ou de Columbia qui a explosé aussi. Mais vraiment au niveau de la conquête, il y a Apollo 1 chez les Américains qui tout l'équipage qui était mort, les trois de l'équipage qui sont morts pendant un test au sol. Côté soviétique, il y a eu peu de morts aussi, je crois. Il y a eu deux morts de Soyouz. Parce que leur. Alors, je sais plus exactement, il me semble que c'est une dépressurisation du Soyouz. Et du coup, ils étaient morts avant d'arriver au sol. Mais ouais, c'est assez. Fallait vraiment être un peu fou, je pense, pour se lancer là-dedans et pour vraiment se dire, allez, j'y vais. C'était la promesse à la fois d'une grande gloire si jamais ça marchait, mais aussi d'une mort atroce si ça marchait pas. Et heureusement pour nous, ça a beaucoup plus marché que l'inverse. Grâce à l'ordre, je sais plus si on a. Oui, on a déjà. Viewreport, on va pouvoir le jeter. Badlands, très bien ça. Sa combi a gonflé, donc il ne pouvait plus rentrer dans le sas, donc il a dû dépressuriser. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Oups. Ouais, c'est vrai que du coup, il a dû avoir des petites surprises. Hein. Après, je sais qu'il y a eu pas mal de cas aussi où les pilotes ont dû un petit peu improviser avec les moyens du bord pour compenser en fait les problèmes matériels, mais et à nouveau, ça demande quand même un sang-froid complètement fou, quoi. Se dire, tiens, peut-être que je vais mourir dans d'atroces circonstances. Mais peut-être que si je fais ça marchera. Alors, Islands, toujours, on doit avoir des montagnes dans le coin, je pense. Il a dû dépressuriser sa combi manuellement. Ah ouais. Ouais, c'est quand même. Enfin, ouais. Bon. Je pense qu'en plus, les effets de l'espace sur le corps humain n'étaient pas encore forcément très connus, donc. Il a dû. Il a dû un peu flipper au moment de la manœuvre. Puis un problème pour refermer le sas. Le vol de la poisse. Ah, puis avec la rentrée atmosphérique, ça ne pardonne pas. Et un problème pour le problème de la capsule lors de l'atterrissage. Mais en fait, il avait embarqué dans quoi? Dans la Lada de l'espace ou. Ah ouais, il a quand même pas mal enchaîné les problèmes. Hein. Après, il s'est dit encore plus quel sang-froid il avait et quel pilote c'était. Parce que quand même, faire face à des problèmes inédits, il a dû survivre une semaine seul en Sibérie avant qu'on le trouve. Ok. C'est voilà, c'est. Je veux dire, le mec, c'est. Il était face à des problèmes que personne n'a jamais rencontrés et il a quand même su réagir en se disant je dépressurise ma combi, je trouve une solution pour fermer le sas, je me débrouille à l'atterrissage, je suis un peu paumé, je survis une semaine en. Ah, ils étaient deux, d'accord. Ah, il me semblait qu'il était tout seul, Leonov, mais là, il est tout seul à être sorti, je pense, mais. Bon, dans tous les cas, c'était quand même. Allez, ça va bien se passer. Je suis follement enthousiaste pour cette mission. Wouh! Pareil, hein, si t'as regardé, si t'as vu tout ce qui était Mission Apollo 13, les mecs sont complètement tarés. Enfin, c'est. MacGyver à côté, il est nul. Nul, nul, nul.
Ça rend d'autant plus impressionnant encore les exploits qui ont eu lieu. Ouais, l'alunissage, etc. C'est vraiment. Quand je revois les vidéos d'Armstrong qui pose le pied sur la Lune, c'était il y a 50 ans, mais ça file encore des frissons. Enfin, c'est vraiment un moment incroyable de l'histoire humaine, en fait. Et dire qu'il y a des gens qui prétendent que ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils ratent? C'est un peu triste pour eux, en fait, je trouve. C'est un peu triste de. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu. Enfin voilà, il y a de bonnes raisons d'admirer ce qui a été fait, d'admirer le génie humain quand il se met dans des missions à but globalement pacifique en fait, hein, puisque c'est vraiment une mission qui n'a pas d'autre but que d'atteindre un point. C'est une course, hein, vraiment, c'est une course à l'espace, donc vraiment c'est. Sachant que le module de contrôle du LEM était moins puissant qu'un iPhone aujourd'hui. Ouais. J'ai vu un reportage il y a relativement peu de temps, justement, il revenait là-dessus, et il disait qu'en fait c'était un peu normal, il y avait des ordinateurs qui ils pourraient être plus puissants, mais le but c'est d'utiliser vraiment des technologies qui sont éprouvées, qui sont vraiment robustes, parce que quand il y a des mecs à plusieurs milliers de kilomètres de la Terre, on peut pas se permettre en fait d'avoir un système qui est défaillant. Donc en fait ils utilisaient des systèmes qui étaient quand même déjà pour l'époque relativement anciens, mais qui étaient connus pour être robustes. Donc, mais bon, oui, ils se sont posés avec un truc qui était assez ouf. D'ailleurs, au moment de l'alunissage, ils ont pas atterri exactement à l'endroit qu'ils pensaient parce qu'il y avait un problème avec le radar de sol, je crois, qui surchargeait la mémoire de l'ordinateur de bord. Et donc, du coup, Armstrong a pris le contrôle manuel pour l'atterrissage. Il a atterri plus loin que prévu. Et il lui restait mais quasiment rien comme carburant. Et il lui restait quelques secondes de carburant pour atterrir. Donc à nouveau, c'est pas mal. Et ça en dit long sur le fait que c'est des mecs qui sont. Qui sont complètement fous. Du coup, j'espère que de notre vivant, on aura la joie et le privilège de. N'oublie pas que le but de la course à l'espace au début, c'est de faire des missiles intercontinentaux. Ouais, sûrement. Ça part d'une intention purement militaire, ça part d'une intention, d'une démonstration de force, je pense, entre soviétiques et américains. Mais ça s'est transformé en une mission vraiment. Dénué de. Enfin, pas dénué, mais au moins. Pour la gloire, quoi. Globalement. Même si je pense que derrière, il y avait des intérêts comme établir plus tard une colonie lunaire, militariser l'espace aussi, puisque ça s'est beaucoup fait dans les années 70, 60, 70, 80, et même 90 encore, je pense. Mais pour le coup, la conquête de la Lune. En premier lieu, pour moi, c'est. Je pense que ça a été un moment piloté purement ce besoin inné qu'ont les hommes de montrer qu'ils ont la plus grosse. Je pense qu'il y avait de ça, mais je pense que du coup, ça a donné le projet Star Wars. Ouais, voilà. Il y a eu des projets qui étaient complètement délirants à l'époque, d'ailleurs, qui ont donné lieu à des concepts de moteurs spatiaux, ce genre de choses, qui sont complètement tarés et qui sont assez marrants. Si t'as vu le trailer du coup de Kerbal Space Program 2, il y aura potentiellement le moteur Orion qui sera disponible. Le moteur Orion, quand même, le concept, c'est un moteur qui fonctionne à base d'ogives nucléaires. Voilà. Enfin, l'idée, c'est quand même de balancer des ogives nucléaires derrière le vaisseau. Et je suis en train de me dire que mon altitude est un peu trop basse. De où j'ai perdu de la vitesse. Ah, je cause et je fais pas gaffe à ce que je fais. Ouais, Orion, ça va être un truc. Enfin, c'est un truc de fou. Du coup, je dois pouvoir remonter mon. Je suis combien de carburant? 38. Yup.
Ouais, le but du moteur Orion, c'était quand même de balancer des ogives nucléaires derrière le vaisseau et de profiter d'un très très gros bouclier pour amortir le choc et se propulser avec ça, quoi. Donc, ouais. Moi, décrochez votre sagesse. Merci pour ton follow, maximum de kiff, c'est très sympa. Ouais, du coup, il y avait pas mal de concepts de moteurs qui sont présents visiblement dans Kerbal 2 et qui sont assez cool. Assez cool et à nouveau qui font preuve d'une grande imagination concernant ce qui peut être fait. On a. Donc, du coup, je te conseille, si tu es anglophone, les vidéos de Scott Manley qui détaillent un petit peu justement les différents types de propulsion qu'on voit dans le trailer. Et à quoi ça se rapporte. Et ouais, il y a des trucs assez funky. Hein. Alors j'ai pas trop compris le principe, mais il y en a un visiblement où il s'agit en gros de tirer des lasers sur une capsule de Zétérium qui est au milieu du réacteur. Et de profiter en gros du truc pour. Non, j'ai pas encore regardé la vidéo sur le développement, non, mais ça m'intéresse pas mal. Et a priori, ils ont travaillé avec les mecs du télescope James Webb. Donc du coup, je pense que... Bon, ça part sur de bons pieds. À nouveau, je suis un petit peu... Je crains un petit peu le fait que ce soit pas Squad aux commandes, qui avait fait un très très bon travail sur Kerbal 1. Mais je pense qu'ils sont au fait des attentes, au courant des attentes de la communauté. J'espère que ce sera au niveau de ce qui a été fait sur le 1. Parce que, bah, évidemment, ça reste un très très bon jeu. Pour le coup, je pense que Kerbal est vraiment le jeu éducatif, en fait. Alors, vraiment, enfin, le jeu de l'esprit scientifique, en fait. C'est vraiment le jeu de je tente quelque chose, ça marche pas, j'essaye autrement. Et du coup, ça oblige toujours. Ça oblige toujours à se renouveler, à chercher des nouvelles choses, et c'est vraiment le jeu de la science, le jeu de l'apprentissage par l'expérimentation, et ouais, c'est vraiment un très très bon jeu sur ça. Et c'est super sympa, et très gratifiant aussi, parce que se poser sur la Lune, c'est toujours un moment un peu spécial. Je parle pas des dizaines de crashs qui ont lieu avant, des tentatives avortées, des vaisseaux qui restent bloqués sur la Lune, mais bon. En parlant de rester bloqué, on était où au niveau du carburant? Je crois que ça allait. On va pouvoir accélérer un petit peu le temps parce que là on est encore au-dessus de l'eau. On doit avoir du désert bientôt, il me semble. Grassland, ça nous intéresse pas. On a encore besoin des montagnes et du désert. Bon, les montagnes, c'est fait, très bien. Et le désert, on va l'avoir près du Space Center, il me semble. Après, il va y avoir d'autres biomes qu'on a arrêtés pour l'instant, mais c'est déjà pas mal pour un premier tour. Et en plus, on a une trajectoire un peu dégueulasse quand même qui va nous ramener trop bas. Mais du coup, elle va remonter légèrement et on va essayer de viser pour retourner près du Space Center. Ouais, je pense que Kerbal, du coup, c'est vraiment un très bon jeu. Ça a été très bien conçu, très intelligemment fait. C'est vrai que ça partait d'un concept à la base qui est pas évident. De se dire, allez, on va se faire une simulation de programme spatial, c'est quand même pas. C'est pas si facile, quoi. Alors. On a à peu près tous les biomes qu'on voulait. On va se faire une petite manœuvre d'orbitation propre. Nope, pas comme ça. Ouais, ça va jouer à pas grand chose. Trois 164, ouais, donc on avait même pas besoin de 80 mètres secondes. Surtout qu'au début du projet, ils étaient deux. Ouais, j'ai pas trop suivi le tout début du développement.
Je l'ai acheté quand il était encore en alpha, je sais plus combien, alpha 1.3, je crois, comme ça. Ouais, je sais qu'à la base, ça part d'un projet vraiment d'un petit projet, quoi. Hein. Parce qu'il me semble d'ailleurs que Kerbal, le nom vient d'un des deux fondateurs du studio qui avait ces espèces de trucs qui ressemblaient à des grenouilles et qui avait appelé des Kerbal, quoi. Donc, ça part d'un projet vraiment. Un projet vraiment perso. Est-ce qu'on peut me warp jusqu'à la prochaine manœuvre? Ça m'arrangerait bien. J'aurais que 3 secondes de poussée à faire, donc ça va. Alors. On va sortir. Là, du coup, on peut utiliser même. Hop là. Jeb peut s'orienter vers le vecteur rétrograde. Pas encore s'orienter vers le vecteur. Ouais, mais c'est vers le prograde qu'on doit aller. Hop là. On va bien se marquer, on va se mettre sur le marqueur d'objectif, enfin de manœuvre. Ouais, puis c'est étonnant, c'est un studio mexicain, à nouveau un pays qui est pas trop connu à la base pour son développement de jeux vidéo et qui a fait un excellent travail. Un peu. J'y vais, à plus, je reviens si tu joues ce soir. Ben, à plus, salut, ce soir on fait du Vampire The Masquerade. Ça va être du jeu de rôle. Complètement foiré ma manœuvre. C'est du jeu de rôle FPS assez sympa, assez vieux. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à passer. À faire coucou. Puis de temps en temps, je ferai des découvertes de jeux comme ça. Un peu tranquille ou milou. Kerbal, ça va avoir lieu de temps en temps. Je pense qu'on va continuer peu à peu notre campagne. Pas forcément sur un rythme très régulier, mais. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Salut à toi, bonne journée, merci beaucoup d'être passé, et merci encore pour ton follow. Alors, on va essayer de viser le Space Center un peu mieux que la dernière fois. 18 bornes, ça me semble pas mal. On va aller jusqu'au prochain nœud de manœuvre. Y voilà, on va encore avoir une poussée de 3 secondes, donc ça va, c'est mineur. On avait récupéré ce dont on avait besoin en termes de science, ça devrait nous ramener pas mal de morceaux de vaisseau, et ça c'est très bien. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir récupérer la sonde automatique, enfin, la sonde niveau 2 qui va nous permettre d'avoir le Stability Assist et de beaucoup, beaucoup, beaucoup améliorer nos possibilités de. D'exploration, surtout que ça va nous permettre de débloquer les satellites, etc. Et ça va être bien. Alors. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du coup, où en est-on? On en est qu'on devrait se désorbiter bientôt. À 100 km d'altitude. 75, 70. Voilà. Hop. On va pouvoir se séparer de notre étage inférieur. Désactiver l'assistance stabilité comme sa capsule va suivre la trajectoire naturellement du vecteur rétrograde. Ça va suivre le vecteur rétrograde. Et puis ça devrait être pas mal. Je vais vérifier notre bouclier thermique, mais bon, normalement, c'est pas mal. Pas trop de risques avec une rentrée atmosphérique depuis une orbite basse, hein, ça devrait pas poser problème. Ça va devenir plus problématique quand on va rentrer depuis des zones plus éloignées. Et où il faudra. Miser sur une décélération bien maîtrisée avant. Et pour l'instant, ça va.
60 km d'altitude, c'est pas trop le problème, ça devrait commencer à cramer à partir de 50. On a perdu un point d'ablighter, c'est pas grave. On en est où? 56 km, 2300 mètres secondes. Et une vue fort sympathique. Alors, 2344, on est toujours en train d'accélérer très très légèrement, mais d'accélérer. On devrait commencer à perdre de la vitesse grâce au frottement de l'atmosphère. Sous peu. Voilà, on vient de perdre 1 mètre seconde. C'est le début de la fin. Évidemment, ce ralentissement ne fera que s'accélérer. Plasma qui commence à se former autour de la cabine. Et on peut profiter un petit peu de la vue des montagnes, du désert. Qu'est-ce qu'on est? Désolé, j'essaie de suivre ce qui se passe sur Twitter en même temps. Alors, où est-ce qu'on en est? En termes de vitesse, on en est encore à 2000 mètres secondes. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. En termes d'altitude, on est à 35 000 à peu près. 35 000. 35 000 et encore 2000 mètres secondes. On a une belle vue quand même pour l'instant. Profite un petit peu de la vue extérieure aussi, bien sûr. 177 de bouclier, c'est très bien. On commence à bien perdre de la vitesse. Notre trajectoire devrait nous amener. Ah, on est encore une fois beaucoup trop court. Hein. Beaucoup, beaucoup trop court. En fait, à partir du moment où on rentre dans l'atmosphère, on perd vraiment très vite de la vitesse. Donc, du coup, notre tir est beaucoup moins tendu que prévu. On devrait même arriver dans le désert. On voit les débris de notre orbiteur là-bas qui a une trajectoire beaucoup plus tendue et qui devrait brûler dans l'atmosphère et donc disparaître d'ici peu. A nouveau, il faut aussi gérer les débris orbitaux. Hein. Il est possible d'entrer en collision avec un débris si vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de lancements et que vous laissez tous les déchets, des traces de frein en orbite, vous risquez d'avoir des problèmes tôt ou tard. Pour l'instant, c'est pas un souci, mais c'est bien de réussir à ramener ces déchets. On va ouvrir le parachute. Qui devrait amener Jeb dans le désert. Oui. mètres. On va se mettre par rapport au niveau du sol. Jeb qui va arriver en pleine tempête de sable. Ah, ça c'est les débris qui viennent d'exploser. Des bruits d'explosion dans l'atmosphère. Ils sont brûlés et comme ils n'étaient pas protégés par un bouclier thermique, évidemment, ils ont fini par cramer. Alors... Mon Jeb, mon Jebou. C'est un peu dramatique, explosion du bouclier thermique en arrivant, c'était un petit peu dramatique, certes. Mais tu vas pouvoir sortir, lâcher l'échelle, faire un rapport depuis le désert, et le stocker. J'aime pouvoir monter
dans ta cabine, faire un petit crew report qui va nous rapporter encore quelques petits points de science. Hop là. Et surtout, tu vas pouvoir planter un drapeau. Site name, site d'atterrissage, atterrissage de la seconde mission orbiteur 3. Magnifique drapeau blanc, hein, bien sûr. Hop, et on va récupérer notre vaisseau, ça devrait nous faire pas mal de science, hein. Là, je pense qu'on a un petit peu la patate. The potato. Science, très très bien. 250 000, c'est pas mal. Explorer la Lune. Il faut faire un fly by the moon, donc c'est-à-dire un passage au-dessus de la Lune. Aujourd'hui est votre jour de chance. Dirigez-vous simplement vers la Lune et frôlez-la. Facile comme une tarte. Les doigts dans le nez. Aucun risque. Signez cette décharge. Du coup, qu'est-ce qui pourrait nous servir pour notre fly by the moon? Landing, on va pas en avoir besoin. Fuel system, ça pourrait nous servir si jamais on veut faire un système, une roquette en asperge. On aura peut-être besoin plus tard. Le spark. L'external, des gros moteurs. Exploration, miniaturisation qui va nous donner des ports, des dockages. Ou Electrix qui va nous donner la sonde. 90. Et il nous faudrait aérodynamique, il nous faudrait 90 encore. J'aimerais bien voir le. La couronne de protection qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'aérodynamisme. Jean-Potron. Il y a quand même des batteries et tout, c'est quand même bien pratique. Commande module, on s'en fout pour l'instant. Aussi, Specialized Construction, non, c'est Advanced Construction. Qui nous permettrait de lancer des satellites. Du coup, il nous faudrait celui-ci. 45 et 90, c'est con, je vais pas avoir assez pour débloquer deux. Oh, je me tâte. Le skipper, le poodle. On va chercher celui-là. Il nous permettra d'avoir un advanced construction plus tard, c'est pas mal. Et il nous faudra le Electrix. Alors notre objectif ensuite, ça va être d'avoir Electrix. Pour avoir la sonde Probodyne Octo. D'avoir la protection pour stocker les satellites. Et d'avoir les petits réservoirs qui vont nous permettre d'avoir des satellites beaucoup plus efficaces. Mais pour l'instant, notre principal problème, ça va être de réussir à aller jusque la Lune. On a une avance de 22 000 et 41 000 en cas de succès. Ou alors est-ce qu'on essaie d'envoyer une sonde? Ce qui nous permettrait d'éviter d'envoyer un Kerbal. On va voir ce qu'il y a comme comme science à récupérer dans le coin. En dessous de 16 km, en dessous de 17, en dessous de 18, ça c'est parfait.
Sphère, donc Research Development, secteur MX, NWX93. Jablan's Prize, ok. Donc on va se faire celui-là. Ça devrait nous permettre de récupérer un petit peu de science. Carbodyne, non. C'est pas eux. Gamma, Beta, machin, non. Jablan's Prize, c'est celui-là. Du coup, ça nous permet de récupérer 9 de science. Ce qui nous débloquera une recherche. Ou deux recherches à 45, mais je crois qu'il ne reste plus qu'une. Ouais, il ne reste plus que le flight control, qui n'est pas pour l'instant vital. Ça nous permettrait de débloquer au moins les Soul Systems. Ou Electrix, plutôt Electrix. Bref, c'est une mission pour le K1, c'est une mission pour Valentina. Et donc, on va s'y mettre. Hop, on va se mettre sur la carte et indiquer où on veut aller. On n'a pas encore du tout les avions capables de monter une altitude suffisamment haute pour les missions au-dessus de telle altitude. Et du coup, on va rester pour le K1 qui fait beaucoup de taf, qui fait bien le taf. Il y a vraiment du mal avec le décollage. Hein. Donc un peu de poussée. On pourrait lui rajouter plus de réacteurs. Mais pour l'instant, ça va. Du coup, avec la nappe voile, on n'a même pas besoin de regarder ce qui se passe. C'est le relais de pression qu'on doit faire. C'est très bien. Est-ce que la température, on avait ce qu'il fallait? On a une transport de vrai déjà. On se met légèrement en descente, c'est pas mal. Parce que là, on est quand même très très haut. Un jour il va bien falloir redescendre tout ça pour se poser. La température, on connaît déjà. Alors on est dans le secteur, on récupère une pression. Petite fuel pour tout. C'est toi que j'ai mis toi. Voilà. Après, il y a un peu de jet Valentina, on voit que ça a paru. On a été très très loin de perdre conscience. Du coup, quand la barre est complètement remplie, Kerbal perd conscience. Alors, du coup, quand c'est pas le pilote, ça pose pas forcément problème, il s'évanouit juste et donc, du coup, c'est brouillé. Par contre, quand c'est le pilote, ça veut dire perte de contrôle de l'appareil pendant un certain temps. Et en général, perte de contrôle de l'appareil, c'est pas un bon signe. Jablan's Prize, c'est bon, on va pour le contrat. La température est toujours au-dessus des grasslands, je pense que par là c'est un autre biome, mais je suis pas sûr. Toujours les grasslands.
On va aller jusqu'aux montagnes, on va essayer de récupérer le... Le relevé de pression, enfin de température au-dessus des montagnes. Au moins dans les Highlands, j'ai pas mal à faire. Oui, Highlands. 5 de science, c'est très bien. On va rentrer. Ok, ici. Par le biais de manœuvres un peu étranges. Alors, je pense pas que cet avion soit en capacité de le faire, mais on peut essayer de faire tomber Valentino et Eva. J'ai bien monté comme il faut. Alors là, du coup, c'est très simple, il suffit de plonger comme des cakes. Après de redresser comme un taré. Est-ce une mauvaise idée? Probablement. J'ai 300 mètres secondes, ça devrait le faire. Ouais, non, elle est résistante, Val. Hein. Elle est résistante. C'est pas avec le petit réacteur qu'on va aller bien loin. On est loin du Space Center. On va éteindre nos réacteurs histoire de perdre un petit peu de vitesse. Parce que oui, à un moment, il va falloir songer à se poser. Alors, je vous avoue que les premières fois que je me suis posé, ça s'est mal passé. Quand j'ai appris comment atterrir un avion dans Kerbal, c'est pas bien simple. Toute la partie exploration spatiale est une chose, toute la partie aviation en est une autre, qui n'est pas beaucoup plus simple. Mais encore, on est des avions basiques. Ils sont encore très très simples, hein, très peu de pièces, etc. Quand on arrive sur des choses beaucoup plus lourdes, où on a besoin de toute la longueur de la piste pour décoller, c'est pas la même. Hein. Vous espérez que le petit décrochement en bout de piste soit suffisant pour vous donner le petit élan nécessaire pour votre aérodynamique. Maintenant ça va un petit peu mieux. 200 mètres. On va redresser tranquillement. Voilà. Un peu trop. On va déjà activer les freins. Et voilà. La propreté d'un atterrissage. Du coup. Où est-ce qu'on en est? On doit en être pas mal. 100 de science. Parfait. 380 000 balles, ça commence à être pas mal.
Ouais, alors ça c'est bien. Par contre, sans flight control, ça va être la misère. Mais c'est pas grave. Est-ce que ça vaut pas la peine d'essayer de faire autre chose d'abord? Space exploration, landing, c'est pas pour tout de suite. Aérodynamique, on n'a pas encore trop besoin. Construction avancée. Accélérateur, découpleur, adaptateur. Tricoupleur. Ouais, c'est pas mal ça. On va essayer de se faire ça. On avait le général construction qui nous permet. Ouais, c'est bon. Allez. On va se faire celui-là. Max 30 parties. 20 mètres. Ouais, je suis sûr qu'on aura de quoi se faire un truc sympa. Du coup, il nous faut une capsule, évidemment. Il nous faut un parachute, les basiques, et il nous faut un bouclier thermique. Jusqu'ici, on n'est pas dans l'inconnu. Il nous faut bien sûr un système de découplage. Et on va se prendre un système. Hop là, engines. Le terrier qui va bien. Jusqu'ici, ça va, on a 1400 delta V, c'est parfait. Et c'est là que les ennuis vont commencer, puisqu'on va mettre la patate. El patata. Parce qu'il faut quand même qu'on atteigne Hop. En aérodynamique, on a toujours rien pour contrôler, ça rend pas top. On va être à LT45. On a 3000 de delta V. Par contre, en termes de stabilité, on a une roquette qui est très très haute et pas très. Alors, on va voir. On va suivre notre idée de base et on va voir ce que ça donne. Du coup, il nous refaut un découpleur. Frosty with ratio, on est quand même pas mal. En structure, on va prendre celle-là. En plus, il y a un crossfit qui permet de. Hop. Hop. On va se prendre les LV-30. On sort la grosse artillerie. Total delta V, on a 5000. C'est pas mal. Du coup, sortie de l'atmosphère de carbine, avec encore les boosters qu'on met sur le côté. On a combien de parts? 21, ça va. Par contre, on est beaucoup trop lourd. On est beaucoup trop lourd pour notre pas de tir. On verra ça après. Il nous faudrait quoi? Il nous faudrait encore 6, plus les 3 de couplage, c'est pas mal. Par contre, on aura pas de science, et ça c'est chiant. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? 4006. 4006 de delta V. Pas mal, c'est pas mal. On peut dire que lui, il sert juste au trajet vers la Lune. Vers Moon, pardon. Ça veut dire que en termes de structure, on a besoin des connecteurs parce qu'à mon avis, ça va être le gros dawa. Et on va se foutre des découpleurs radio, voilà, avec des boosters.
booster qui ont assez de puissance. Donc c'est bien, on est toujours à 5004 delta V. On n'est pas du tout symétrique, alors pas du tout. C'est beaucoup mieux. C'est un peu mieux. Hein. Voilà. On se met un petit peu down le aerodynamics. On a 32 par 10. C'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop pico. Ouais. Un petit peu trop bourrin. Qu'est-ce qui se passe si on prend ça, on dégage ce niveau-là et qu'on met l'huile là. 3002 de talent. Bah finalement, on arrive quasiment au même niveau. Par contre, lui, il va dépoter, mais d'une puissance. Ouais, à la limite, je vais le mettre à 12, c'est mieux quoi. Non, tout est très chaud. Bim, ça devait arriver en orbite, et là on a le transfert, le... Ouais, on est encore beaucoup trop lourd, donc c'est même pas la peine. On va se faire un truc plus simple, découpleur. En fait, on va partir du... Don't save, on va partir de l'orbiteur 2, qui détend quand même bien. Bim. L'orbiteur 2, il fait complètement son taf. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Mettre des plus gros boosters. Donc on va commencer par ça. Par contre, en termes de masse, on va être emmerdé. Le pas de tir et l'atterrir est un peu plus costaud, je pense. Engines. Hop là, le Thumper. Avec que deux, ça va être déjà pas mal. Si tu les attaches au machin, c'est encore mieux. Au bon point d'accroche. Voilà. Ils sont pas du tout alignés avec le reste du corps de la fusée. Ça va te poser des problèmes, tout ça. Ni. Mieux. Mieux. Par contre, on est encore trop lourd, mais c'est pas grave. On peut upgrader notre pas de tir. Et on a besoin d'un nouveau fuel tank ici. Atteindre 5000 de delta V, c'est pas mal du tout ça, 5004. On a 19 par, c'est très bien. Du coup, il nous faut de l'aérodynamique. Là. On va se mettre un peu de structural. Et on va se mettre. Qu'est-ce qu'on va se mettre encore? La science, il faudra évidemment. Hop, on va se mettre un stabilisateur de vol, enfin de décollage plutôt. Voilà. Qu'on va déclencher en même temps que notre boosters, parce que sinon ça va faire proche. Et ça va être ridicule. Sortie de weight est à 2,29. On peut même le limiter un petit peu, c'est pas plus mal. ,75, c'est pas mal. Du coup, boum les boosters. Boum les tâches principales qui nous met en orbite et qui nous permet de nous pousser aussi sur une bonne partie de trajectoire lunaire. Du coup, lui, il restera en orbite. Et là, si on se la joue à la gruge, on met un octo pour piloter le tout, avec un petit panneau solaire qui va bien pour le recharger, et on se met un scientifique dans le truc. Déjà avec les expérimentations, donc du coup on a besoin d'un thermomètre. Alors, les expérimentations renouvelables on les fera plus tard, c'est pas grave. On enverra une sonde pour faire le taf, ça ira aussi. Les non renouvelables, pardon. On va faire ça, on va faire ça. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc notre pas de tir va pas pouvoir le supporter, mais c'est pas le souci pour l'instant.
5100, est-ce que ça nous fait une trajectoire qui voit bien? On va dire que oui. Après, la question va être de comment que tu freines, bien sûr, et on pourra faire une trajectoire de free return. On était combien au maximum? 5100. Je te change toi par un plus gros. 5006, moi, c'est bien. Plus on est de fou, plus on rit. Et on va se remettre le Carbon Engineer dessus, ça vous permettra de suivre un petit peu ce qui se passe. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Lance. Le Computer Flight Unit. Qui va être. Va être là sur le drapeau. Hop là. Toi, j'en ai besoin que d'un. Toi aussi. Hop là. Ah là, on pourrait tenter le coup. Avec des batteries, on n'a pas de panneau solaire. Non, on va le faire comme ça. Ça devrait le faire. On va envoyer Jeb tout seul. Et on va l'appeler. J'ai dit. Et qui s'appelle Uriot. Moon Orbiter 1. Normalement, il devrait pas orbiter, mais on va. On ne sait jamais. Du coup, c'est parti, mon kiki. Mais le launchpad, il peut pas gérer ça, donc du coup, on va l'améliorer. Voilà, on a un truc un peu plus crédible. Du coup, le Moon Orbiter One, c'est bon, c'est celui-là. On n'a pas vérifié notre staging, et ça, c'est une très très grosse erreur. Très très grosse erreur. Mais bon, tant qu'on vérifie avant de tirer, c'est toujours bien. Alors, on en est où? Bim, les boosters qui décollent, c'est bon. Lui qui prend le relais directement, ça va. Lui, hop, c'est très bien. C'est parfait en fait. Qui l'eût cru? Hop, on a les données de Carbon Engineer qui se baladent, donc c'est parfait. Et bah c'est type rare. Ouh, c'était pénible. On va partir sur un angle assez faible pour l'instant. On va corriger au fur et à mesure. Tendance à tomber à cause du poids. Merde, l'équilibre est pas terrible. Salut French Kebab, bienvenue sur le stream, bienvenue sur le live. On essaye de mettre une fusée en direction de la Lune, mais là, notre trajectoire est un petit peu foireuse. Pour ne pas dire complètement pourri. Heureusement, notre LVT45 qui fait le taf derrière. Comment ça va? Et merci pour ton follow d'ailleurs. J'ai vu que tu étais passé tout à l'heure et que tu avais suivi la chaîne. C'est très sympathique. C'est bon, c'est pas mal. On a rattrapé un petit peu le problème. C'est pas le poids, c'est les fins qui ont merdé. Ouais, on est encore sur les ailerons basiques avec un contrôle complètement absent. Du coup, c'est un petit peu foireux, mais bon. Voilà, après
tirer le territoire. Une fois qu'on sera à peu près à 80, on va pouvoir couper les multivers. Là. Qu'est-ce que ça donne? 45 km d'altitude. On est encore à peu près bien en termes de carburant ici. Ça nous permettra de. De circulariser notre orbite. Si tout va bien. 36, 88, oui, parfait. 85, 93, hop là, on va dire que c'est pas mal. Et du coup, ça devrait nous permettre de brûler tout le carburant de notre booster, enfin de notre du corps de la fusée, de notre deuxième étage. Et il nous restera la capsule pour se trouver une trajectoire de free return depuis la Lune. L'objectif va être de frôler la Lune, d'utiliser l'attraction gravitationnelle pour se ralentir et pour revenir sur Kerbin sans dépenser trop de carburant. Un petit peu dans la mesure de ce qu'avait fait Apollo 13. Ah, on la voit là-bas. On voit notre objectif en vue. Même si on va pas se poser dessus avant quelques temps, mais au moins on va essayer de faire un survol suffisamment bas pour aller récupérer quelques infos. Et récupérer de la science. Science. Avec cette science, on devrait pouvoir acheter, enfin débloquer les sondes. Ouais, c'est chaud à faire. Ouais, une trajectoire de retour libre, c'est un petit peu chaud. Mais ça se tente. Qui ne tente rien n'a rien. Alors, la bientôt fini, on va pouvoir déclencher directement le deuxième moteur. Mais bon, avec un peu de patience, on devrait réussir. La patience étant bien sûr ce qui me caractérise, et donc la meilleure qualité pour jouer à Kerbal. Et hop là. Bon, à 1 mètre seconde, on va dire que c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. Alors, la Lune, on va se la mettre en cible. Bon, nos montres en descente ne sont pas top top, mais bon. On va faire avec. Et maintenant, on va essayer de trouver une trajectoire qui va bien. Là, ça va être long. Ça va être de l'ajustement un peu longué. Nope. Ah, voilà. On est où? Bon, bah là, on va se prendre... Alors là, on est sur une belle trajectoire de d'assistance gravitationnelle. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. Les indicateurs qui sont complètement pété un câble. Alors, si on veut se faire éjecter du système là, c'est parfait. Parfait. Par contre, si on veut revenir, ça va être plutôt comme ça. Comme ça. Ouais, il va falloir réajuster après, je pense. Parce que là. L'atterrissage va être difficile et dangereux. Une rencontre avec la Lune. Passer beaucoup trop haut. Est-ce qu'on peut pas plutôt l'ajuster comme ça? Ah, mais c'est pas mal ça. Non, c'est nul. Nul! Ça, c'est mieux. Ça devrait être 140 km. 140 ni 95. 95, c'est pas mal. Plus haut qu'on est, par contre, c'est. Ah non, on est sur Minimus, pardon. C'est un échec de trajectoire, donc. Ouais, ça c'est mieux. Ça, c'est celle qu'on vise. Il y en a à 62 km. 62, c'est pas mal. 46 secondes de burn. On passe à 1. Par contre, on passe super haut. J'aimerais bien passer plus bas.
Ouais, plus bas, par contre, ça nous circularise à mort notre orbite. C'est pas grave, on va la réajuster au fur et à mesure. 240, 155. Par contre, ça veut dire qu'on doit se faire un bon freinage avant d'entrer dans l'atmosphère parce que le bouclier thermique va pas du tout apprécier. 27. 70. 6, non. Bon, après, du coup, on ajustera au fur et à mesure. 45, c'est parfait. 45, c'est parfait. On va se faire ça. Ça nous permettra de passer en haute altitude au-dessus de la Lune. Et de revenir directement sans avoir besoin de plus de carburant. On va passer à 45 km d'altitude, donc on va perdre pas mal de vitesse. Mais au moment où on sera dans le périaps, si jamais on a encore notre booster inférieur, on va pouvoir l'utiliser pour ralentir encore plus. Et éviter de cramer dans l'atmosphère autant que possible. Ça va super bien se passer, j'ai entièrement confiance dans ce plan. Secondes de poussée, ça devrait largement le faire. Par contre, ça va demander de le millimétrer ou de réajuster un petit peu au fur et à mesure de la trajectoire. Si on ne veut pas, on ne veut pas faire un sproch quelque part. Hop. 46 secondes, et c'est dans 46 secondes qu'on démarre. Suspense insoutenable. On va en profiter parce que là, la vue va être sympa. Normalement. Si tout va bien, on va accélérer. On devrait voir un lever de lune face à Kerbin. Notre objectif va apparaître face à nous. Et là, ça devrait être stylé. Si tout se passe bien. Cinq, quatre, trois, deux, un, mise à feu. Bim, levée de lune. Comme prévu. Du coup, il est possible d'atteindre la Lune sans utiliser les trajectoires sur la carte. Ça demande de se repérer un petit peu au timing, etc. C'est déjà bien... C'est bien touchy. Oh, par moult carburant. Ah, c'est que maintenant, on pourra même peut-être circulariser notre orbite autour de la Lune. En 54 secondes encore. On va y aller mollo. On va jouer à la précision parce que là, la différence va être énorme. Et si tout va bien, on va frôler Kerbin à 24 km. J'aimerais bien remettre un tout petit peu plus. 20 km. C'est pas ce que je voulais. Alors on va se mettre un petit peu en rétrograde. 36, c'est pas mal. 36, c'est pas mal. Hop là. Alors là, normalement, on doit même pouvoir circulariser notre orbite. Avec tout ce qui nous reste comme carburant. Si tout va bien, il nous reste 89. Ça devrait pouvoir le faire. On va voir si on n'a pas la mission pour se mettre en orbite autour de la Lune. Non. Non, malheureusement. Du coup, il faudra juste... C'est pas grave, on va repasser par une tracking station et on va récupérer notre monorbiteur.
Du coup, j'aurais tendance à dire, Jeb est un casse-cou. Jeb aurait-il tendance à tenter, malgré tout, la mise en orbite autour de la Lune? J'aurais tendance à dire que oui. Dans tous les cas, on a une trajectoire qui nous permet, pour l'instant, de faire un abort si jamais on le sent pas. Et si jamais ça se passe bien, on doit pouvoir... s'en sortir. En plus, on a un temps de rencontre qui va être assez long, je pense. Rencontre à 5 heures. Et on s'échappe à... Ouais, c'est bon, on est large. Large, 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 large. Du coup, 150 km, je crois qu'on est en espace profond. Alors, pour les portes. Les Near Carbine, non. Bon, 500 km, on est en espace profond. Alors, un petit report. Très bien. On va se récupérer la température. 12 de science pour une température, c'est pas mal du tout. Et 18 pour la pression. On va faire un petit EVA. 12, tu vas pouvoir récupérer la température, la pression et ton report. Hop, hop là. Voilà, et du coup, ça c'est fait. Du coup, maintenant on va pouvoir s'avancer jusqu'à la rencontre avec la Lune. Et on va tenter la circularisation. Plus visiblement, vu la gueule de notre trajectoire, je pense qu'on a vraiment pas grand chose à faire pour que ça se passe. Hop. Ok. Déjà, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Température. Pression. Petit crew report. Et petite EVA. On va récupérer ce qui doit être récupéré. Hop, hop là. Alors du coup là, on peut essayer de circulariser. Donc là, là, on va ralentir. Oui d'accord. 5, oui parfait ça. 11 secondes, il nous reste 89 de carburant. Allez, 26 km. 13 km, 13 km, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Je pense que ça va être orbite basse, on va peut-être faire un petit peu plus haut quand même. 46 c'est trop haut. 29. 4 c'est un peu trop bas, on va cueillir des pâquerettes au passage. On va viser 15 km à peu près, ça va être bien. On va se faire une orbite circulaire à 15 km. Ça nous permettra de récupérer pas mal de données sur les biomes, etc. Puis après, le but, ça va être de rentrer, évidemment, à la casa. Et ça devrait le faire. Du coup, on peut aller à la prochaine manœuvre. Tu vas réactiver le SAS parce que là c'est n'importe quoi. Je vais me pointer sur le rétrograde, hein, parce que visiblement c'est là qu'on doit se mettre. Burn de 14 secondes, ça devrait pas être trop dur. On a encore pas mal de carburant donc c'est plutôt pas mal. Tout va bien. Secondes, on va accélérer un petit peu quand même. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, boum.
allumage du pétard. Encore d'un œil sur le carburant quand même. Ça doit être ça. Non, ça doit carrément le faire. 1, 0. Voilà. Donc, du coup, nous voulons en orbite autour de la Lune. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on ferait pas un petit détour par le Space Center pour voir si on n'a pas des missions qui sont apparues en nous disant « Ramenez-nous des données de l'espace !» Ce serait vachement bien. Vu que là, on va ramener la brouette de science. Explore the Moon. Orbital Space Walk. Et Return... Eh ben, c'est parfait, ça. C'est parfait. Température surveillance, on s'en fout. Les touristes, j'ai pas envie de m'en occuper. Bon. Bah, du coup, c'est pas mal. Ça va être une mission qui est déjà quasiment accomplie. Donc ça, c'est bien. Et depuis le Périaps, il nous faut combien de temps pour... Pas de seconde de burn. Il nous reste 61. 28, 19, 17, parfait. Parfait, parfait. Alors, on va pouvoir voir la Lune de près. Après, sachant bien sûr qu'il faudra avoir suffisamment de ressources pour pouvoir ressortir de l'orbite lunaire. Mais normalement, on est dans le bon sens. Pour retomber facilement sur Kerbin. Normalement. Je vais en profiter pour faire une petite éviée, et ainsi. Hop. Encore 30 secondes, parfait pour un report. Hop. Hop. 19, c'est bon. On va récupérer les données. Attends, j'en ai déjà. Il était juste à l'heure. Pour ta manœuvre suivante. Vu que j'ai Carval Engine Reduc, je devrais me repérer avec le Delta V. Ouais, complètement, mais j'ai plus du tout les chiffres en tête pour se désorbiter de Moon. Je pense que je dois encore avoir suffisamment, mais je ne sais plus. Par rapport à l'orbite, bon, de toute façon, ça c'est bon. Ou du coup, c'est un peu au feeling. On va espérer que tout se passe bien. De toute façon, on peut tout de suite voir pour planifier une trajectoire de retour. Hein. On verra bien ce dont on a besoin. 7 secondes. Huit. Ah, oh, on est large. C'est pareil que pour s'orbiter, donc t'es large. Oui, bah, parfait. Parfait. On pourra même faire un retour de kéké, mais là, ça fait une belle fronde, en fait. On peut-être éviter de faire la fronde gravitationnelle, ça ne servira à rien. On va faire dans la prudence et on va surtout gratter un maximum de points de science. Parce que là, c'est la teuf. C'est la grosse teuf. Du coup,
French Kebab, j'en conclus que tu es un joueur régulier de Kerbal Space Program. Me trompe-je? Quelle belle formulation. Bon, notre burn là, il va pas nous servir. Salut Kragonix, bienvenue, bienvenue sur le chat, bienvenue sur ce live. Nous sommes en orbite de la Lune, on va pas se poser parce que on n'a pas ce qu'il faut pour l'instant, mais ça tourne, ça tourne. Alors j'ai 800 heures, mais mon PC s'est cassé. Ah là là, ton PC a besoin de plus de boosters. Quand ça casse, faut plus de boosters. Et ouais, j'ai beaucoup moins d'heures que toi, je suis vraiment pas trop doué dans ce jeu, mais j'aime beaucoup, je trouve qu'il est assez reposant. Donc ça, c'est cool. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé du trailer de Kerbal Space Program 2 qui a été annoncé il y a 2 jours, ou hier, je crois, 2 jours à la Gamescom, il me semble. Faut ajouter des boosters. Donc on est toujours au-dessus des Lowlands, donc c'est bien. Midlands, Lowlands. Ouais, donc du coup, le trailer qui est sorti il y a très peu de temps et qui personnellement m'a pas mal ambiancé. M'a bien hypé. Visiblement, les images étaient très très. Enfin, visiblement. Les images étaient très très belles. C'était pas des images du jeu, malheureusement, mais bon, après, je préfère qu'ils prennent un peu leur temps. Donc, j'aimerais bien avoir votre ressenti dessus. Sympa, mais j'ai un peu peur d'être déçu, on sait jamais. Ouais, ben, je m'inquiète aussi, en fait, comme je disais précédemment à un autre viewer, comme Squad, l'équipe qui a développé Kerbal Space Program 1, n'est pas impliquée pour l'instant, en tout cas, j'ai pas l'impression. J'ai un peu peur de ce qui va être fait. Ça avait très bien marché sur le 1, donc je sais pas si le 2 va être aussi bien géré. Visiblement, enfin, de toute évidence, Kerbal était avant tout un jeu de la communauté, hein, c'est tous les mods, etc., qui l'ont beaucoup fait vivre, et le fait que le jeu ait été suivi pendant des années par Squad, hein, finalement, qui a fait beaucoup de mises à jour, et qui a rapporté même des DLC, qui a rapporté pas mal de pièces, a priori, il faudra qu'on les teste à l'occasion. Mais ouais, on verra, je suis... J'espère que le studio qui s'en charge aura pris un petit peu la mesure de... des attentes. Donc on verra bien. Du coup, bon, on est toujours en orbite de Moon, on est toujours au-dessus des Midlands, on va essayer d'accélérer un petit peu pour avoir d'autres biomes ici. Ça me permettra d'avoir encore plus de points de science. More science. Bon, évidemment, si on avait été vraiment bon, on aurait prévu une trajectoire polaire, etc., qui nous aurait permis de voir tous les biomes en plusieurs orbites, mais bon. On va faire ça. Au final, ça m'a donné l'impression d'être KSP avec des mods. Ben ouais, un peu, en fait. C'est le risque que je vois, c'est qu'en fait, la communauté avait déjà beaucoup modé Kerbal. Premier du nom, et y compris avec des améliorations graphiques, avec des améliorations de pièces, de gameplay, etc. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir ajouter quelque chose? Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir donner de la valeur ajoutée à ce qui a été fait? Je sais pas. Je sais pas. En plus, j'ai vu que c'était sur Unity aussi, donc comme le premier KSP, donc est-ce que graphiquement, il y aura vraiment un pas qui va être franchi et qui permettra de dire que le 2 est indispensable par rapport au 1? Je sais pas. Je pense que ça va être, je sais plus qui disait, que ça risquait d'être un jeu avec, ses fans et ses détracteurs, et qu'il y aurait vraiment deux catégories. Il y aura les gens qui vont être plutôt KSP 1 et les gens qui vont être plutôt KSP 2, et que les deux vont pas se parler. Donc ouais, à voir, à voir, à voir. Alors, toujours les Highlands, les Midlands, on change un petit peu de biome. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Les Lowlands, on les a déjà fait. Farside Crater, parfait. Hop là. On va se ramener tellement de science qu'on saura plus quoi en faire.
Après, c'est le problème des jeux qui supportent bien les mods, c'est que finalement, qu'est-ce que le studio qui le développe apporte par rapport à la communauté? Là, pour, je pense par exemple à Carbal, qui a énormément de mods, qui a énormément une grosse communauté. Je pense aux jeux Bethesda en général, qui sont assez ouverts aux mods, et par exemple à Skyrim, qui a été énormément modé avec des trucs maintenant. Enfin, si on sait pas que c'est Skyrim, on voit la vidéo, on se dit ah, c'est quoi ce jeu? Ça a l'air cool. Et du coup, ouais, c'est un peu dur, je pense, pour le développeur de faire mieux que ce que la communauté pardon, propose. Donc, c'est à voir. C'est intéressant. C'est intéressant ce qui va être fait. On va virer nos indications de burn parce qu'on va pas le faire tout de suite. Donc voilà, je suis un peu. Je suis comme toi, Je suis impatient et j'ai peur d'être déçu. C'est la définition de la hype, je pense. Alors, on est toujours au-dessus du cratère, du Far Side cratère. On va bientôt le quitter. On voit la bordure montagneuse qui le surplombe. Les Midlands, on connaît déjà. Là, on va arriver sur un autre cratère, j'ai l'impression. Peut-être dans les Lowlands, mais on connaît déjà. Island. Hop, toujours les Midlands. Midland Craters, on l'a pas encore fait. On va avoir la patate de science, ça va être bien. Ça va être bien. Midlands. D'abord, on a encore quelque chose à aller voir. Midland Craters, on a déjà fait. Lowlands, on avait déjà fait, donc pas de regret de l'avoir vu passer rapidement. Là-bas, il y a des trucs aussi. Lowlands. Allez, je suis sûr que tu peux encore faire un petit effort. Un Lowlands Crater ou un truc comme ça peut être bien. Toujours dans les Midlands, toujours les Lowlands. Je sais pas si on va encore se faire beaucoup de biomes dans le coin. Gros avantage de Carbal Engineer, hein, ça évite de devoir sortir à chaque fois, faire le test de savoir dans quel biome on est, rendre recette l'expérimentation. Enfin, Islands on a déjà fait aussi, ouais. Ah, East Farside Crater, parfait. Donc là. On commence à avoir une bonne boîte d'expérimentation visiblement. Alors, toujours sur le East Versailles Crater. Je pense qu'on aura quand même ratissé pas mal de biomes qui se font autour de Moon. Islands. On est sur une altitude qui nous permet de profiter de la vue, c'est déjà ça. Même si là on est sur la face nocturne. Midland Crater, on l'a déjà fait. Midlands à nouveau. On en est où? Et là on l'a déjà fait. Lui, on va pas passer au-dessus, ça c'est con. Par contre, on va passer au-dessus de celui-là. Du coup, c'est bien. Midlands. Les cratères à nouveau. Alors qu'on a un magnifique lever de carbine dans le fond.
Profitons de cette belle vue. Ça, c'est des vues vraiment sympas. C'est ce genre de choses qui donne envie de jouer avec Carwell, je trouve. Ça ferait une belle photo. Si Jeb a son petit appareil photo, j'espère qu'il fera quelques photos de Kirby. Un paysage qui rappelle d'ailleurs un petit peu le lever de terre qui est probablement une des photos les plus connues d'Apollo 11, qui a été prise, je pense, par le pilote. Soudain, il a un trou de mémoire débile. Armstrong, Aldrin et... Merde. J'ai plus le nom du pilote de la mission Apollo 11, si vous vous en souvenez, merci de me le signaler quelque part, parce que là je vais avoir l'air d'un con. Qui fut l'homme le plus isolé de son temps quasiment, hein, puisqu'il était de l'autre côté de la Lune pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin faisaient leur popote. Et qui est l'auteur d'une photo sur laquelle toute l'humanité est présente, sauf lui. Du coup. Et je sais plus du coup si c'est lui qui est responsable de la photo du lever de terre ou si c'est Aldrin, mais je... J'ai des doutes. Michael Collins. Le pilote de... Je suis désolé Michael si tu nous regardes. Merci French Kebab aussi. Il m'avait complètement zappé. J'étais sur Powell, un truc comme ça. Et ouais, Michael Collins, évidemment. Ouais, donc du coup, qui a pris quelques photos aussi très sympas. Et qui, d'après ce qu'il disait, n'a pas trop eu le temps de s'ennuyer dans le module. Malgré l'isolement, il n'a pas trop eu le temps de. De s'embêter. Mais il n'y a pas de honte à utiliser Google, surtout en cas de trou de mémoire. Pour ma part, j'ai un gros blocage, je suis désolé pour ce bon vieux Michael. Et ouais, du coup, il a fait des... Ah, on a même un lever de carbone dans le fond. Et donc, du coup, il a fait de magnifiques photos. Donc, si vous pouvez aller voir sur les archives de la NASA, faites-vous plaisir. Pareil, hein, allez voir les photos d'Apollo 11, allez voir les photos des missions Apollo... Allez voir les photos des rovers martiens, allez voir les photos de l'espace, allez voir tout ça, c'est génial. Il y a un gros cratère ici, je pense que ça doit être un biome différent. J'y crois à mort. Oui, non, bon, bon, Midland Crater. Arrête de me faire des faux suspens, toi. Lowlands... Je crois qu'on est à peu près bon au niveau des biomes. Hein. Je sais que j'ai dit ça tout à l'heure, mais... Donc là, pour le coup, on doit être pas mal. On était passé par celui-là, c'est bon. Celui-là, on l'a déjà fait. On est passé au niveau de notre apocalypse. On va essayer de warp. Bon, après qu'on aurait... On a appris qu'on ait passé ce cratère, on planifiera notre retour sur Carbine. En plus, la surface est illuminée, donc ça va être un petit peu plus sympa. Profiter de la surface, désolé de Moon. Grand cratère ici. Alors l'événement dans le système solaire que j'ai pas vu et qui a eu lieu il y a quelques temps visiblement, c'est une comète je crois qui s'est écrasée sur dans le soleil. Enfin qui s'est écrasée. Qui est venue brûler dans le soleil. Il me semble. Hein. Sujet à caution. J'ai peur de vous dire des conneries.
Mais ouais, il me semble que du coup, il y a une comète il y a peu de temps qui a décidé de finir sa course dans notre bon astre du jour. Il y avait des choses à dire, Jeb. Bon, on va se planifier les traducteurs de retour. Ok, alors. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on en pense donc? Qu'on est haut, qu'on est très très haut. 2 millions, 12 millions. Est-ce qu'il vaut mieux du coup que je revienne comme ça ou que je reparte à partir de mon périaps? Ça me semble pas mal. 1 million, c'est pas trop dégueu. Ça permet de profiter de la POAPS pour se réduire en altitude. Mais qu'est-ce qui se passe si je pars de l'autre côté? Non, dégage. Et si je commence ma manœuvre ici? Oui, bah non. Du coup, ça me fait une magnifique fronde. Appelée aussi, comment finir sa course dans le soleil. Hop là. Changement de plan. Voilà. 9 secondes, 10 secondes, 771. 419, c'est pas mal. Depuis la POAPS, après on va réduire un petit peu notre orbite pour flirter avec l'atmosphère, ça nous permettra de ralentir. Et ça devrait être pas mal. Ça a été une poussée de 11 secondes qui va déterminer le futur de Jeb. Pour l'instant, on est à un jour de mission. Si on se rate, si on rebondit sur l'atmosphère, on s'en fera beaucoup plus longtemps. Alors. Mise à feu. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va sortir de l'orbite de la Lune en lui faisant un petit coucou d'adieu. Carbol qui est ici. Est-ce qu'on voit Carbine? Non, de l'autre côté. Wouhou! Carbine devrait bientôt nous apparaître, je pense. Elle est vraiment de l'autre côté, hein. Là, si on avait une sonde, ce serait le bordel, parce qu'on n'a pas du tout de contrôle. Ah, voilà. Notre bonne vieille planète de départ. Sur laquelle on va essayer de rentrer de façon à peu près élégante. Ok, ça c'est bien. Périaps à 406. Du coup, on va ralentir. Et pas tant que ça. Voilà. 210. On va viser dans les 60, ça serait pas mal. 50, 40, 40. Allez. On a une trajectoire un peu trop abrupte, on risque de cramer notre bouclier. Et si on a une trajectoire pas assez abrupte, on va pas assez ralentir. Donc du coup, on peut-être viser 30. On a quand même pas mal de vitesse à perdre. On va viser 40 et puis on va essayer de ralentir avec s'il restera de carburant après la manœuvre. Devrait nous faire gagner pas mal de temps.
Ok, t'inquiète, les shields sont OP avec la Blator. Ouais, j'espère. il a 200, donc normalement ça va le faire. Mais après, là, on rentre quand même de. Non, c'est par là que tu vas aller. Non, on rentre quand même de loin. On va frôler le. On va frôler Kerbin à une vitesse quand même assez sympa, donc. Genre, on peut rentrer avec 4000 mètres secondes. Ah ouais! Avec 4000 mètres secondes, ça passe. Mais après, ouais, faut quand même faire un petit peu attention à soigner la trajectoire, mais bon, là, ça devrait aller. 20 secondes. Deux, un, mise à feu. Voilà, parfait. Perfect. 39 km, on va se remettre à peu près là-bas. Et puis on va en profiter pour vider ce qui nous reste comme carburant dans une décélération magnifique. Quand on sera à peu près à. On va dire ici. Comme ça nous permettra aussi de nous débarrasser de ce qui nous reste. 6. Ouais, là, on n'a plus assez. On n'a plus assez, mais vu la hauteur de notre trajectoire, ça devrait passer tranquillou. Oui, il faut pas arriver avec un périapside à moins de 200 km. Ouais. Hop. On va un petit peu réduire notre vitesse, on va. Devrait pas mal nous faciliter notre mise en orbite. Enfin, notre rentrée atmosphérique. Je dis des conneries. Après, ça va être un petit peu le grand mystère de savoir où est-ce qu'on va atterrir. Ça, je vous avoue que j'ai pas du tout calculé où est-ce qu'on pourrait arriver. Et puis que le Space Center a l'air assez loin. Du coup, on verra bien. Alors, 320 mètres seconde, burn dans 35 secondes. Un bon mode pour ça, c'est Trajectories. Je ne l'ai pas testé, j'ai testé très peu de modes en fait. J'essaie d'avoir le jeu le plus vanilla possible à chaque fois. Je prends quelques modes graphiques maximum. Là, j'ai pris Carbon Engineer parce que c'est quand même vachement utile. Et c'est un peu la précision qui manque dans les. Dans le jeu de base, mais ouais, Trajectories, du coup, ça permet de gérer un petit peu mieux, je suppose, les trajectoires qui manquent un peu de précision, je trouve. Non, je me trompe avec le Time Warp, bravo. On a juste 9 secondes de retard sur notre burn, de toute façon, on va vider notre. Je sais même pas pourquoi on a pris la peine. Voilà. On va dire bye bye à notre étage inférieur. On n'a plus rien là-dedans. On n'a plus rien là-dedans. Alors là, on devrait voir le trapo apse fondre comme neige au soleil. Puisque, avec le frottement de l'air, on devrait beaucoup perdre d'altitude. C'est le moment où Jeb commence à avoir chaud. Notre ablator est à 200, à 197, pardon. On va éviter de le dégager par accident, ça serait ballot. Avoir une estimation de la trajectoire quand on rentre dans l'atmosphère. Ah, c'est bien pratique ça. Parce que là, ouais, c'est toujours un petit peu au doigt mouillé, ça ne pas trop. Du coup, on est dans le brouillard, enfin dans le silence, silence radio, silence plasma. Parce qu'autour il peut faire un petit peu chaud. On peut activer la température, tiens. Ouais, c'est déjà 100 Kelvin et puis en plus ça monte pas trop. Parce que c'est protégé par le bouclier thermique. Notre apoapse, on peut voir qu'il est encore à 600 km. Notre périapse par contre est à 100. Était à 18 km. Du coup, on a un angle d'attaque quand même assez élevé, mais ça va. On devrait finir dans la flotte. Je pense que dans les missions réelles, il y a toujours ce moment de silence radio qui doit être assez stressant. À la fois pour les gens au sol et pour les gens dans la capsule. Même si les gens dans la capsule, bon,
C'est un petit peu les premiers informés si quelque chose se passe mal. Ouais, je pense que la période de silence radio, ça va être assez flippant. Les infos. Impact Biome Mountains. Magnifique. Super. Parfait. Alors, pour s'embrouiller, c'est parfait. Parce que là, ça va être la merde. Si la capsule tombe sur une pente un peu trop aiguë, ça va être le bordel. Island, c'est un peu mieux. Grassland, c'est parfait. On est encore à 500 mètres seconde. 15 km d'altitude. On peut déclencher notre parachute, c'est safe. Et nous avons donc Jebediah Carman qui va atterrir avec moultes applaudissements. Surtout que IRL c'est 7800 mètres secondes. Ouais, l'orbite terrestre c'est pas la même, hein. C'est pas carbine, c'est quand même vachement plus bas. Donc 7800 mètres secondes à perdre en vitesse. Ça va être long, ça va être très stressant, et je pense que même dans la cabine, il doit faire bien chaud quand même. Je pense qu'il y a quand même une partie de la chaleur qui doit passer un peu au travers, hein. Il doit pas forcément une chaleur de fou, mais il doit quand même faire un petit peu plus chaud dans la cabine au moment de la rentrée, ça va pas être très agréable. Puis surtout, ils doivent prendre une décélération assez sympa. Il y a un mode d'ailleurs de Kerbal qui permet d'avoir les tailles et les vitesses du système solaire. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vachement plus dur que dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo qui est déjà dur en lui-même, hein. Sans tuto, bon courage pour y arriver. Hein. RSS, hein, ouais, ça va être ça le nom du mode. Du coup, eh ben, on va atterrir tranquillement, on va se poser comme une fleur en plus dans la pelouse. On peut virer le marqueur d'impact. Comme ça, Jeb pourra sortir de la capsule, enlever ses bottes et puis profiter un petit peu du gazon sous ses orteils. Il l'a bien mérité après cette longue mission mais triomphale, qui lui aura vu dépasser de loin les objectifs qu'il s'était fixés, qui était à la base simplement d'approcher la Lune, et finalement il aura approché la Lune, orbité, récupéré énormément de données scientifiques, et sera revenu pour l'heure de l'apéro. Bravo, bravo Jeb, bravo à toi, tu es notre plus grand héros à ce jour. Tu as mérité de poser un petit drapeau. Du plan. Atterrissage, site d'atterrissage du premier orbiteur de Moon. Texte sur la plaque. Ici. Jeb a enlevé ses bottes. Fait ses premiers pas dans l'herbe fraîche. Évidemment, une citation éternelle qui sera enseignée dans les écoles. Il peut bien faire un petit report d'IVA parce qu'il n'a pas encore fait trop de taf. Et peut-être même un crew report. Oui, magnifique, incroyable, incroyable Jeb qui dépasse ses objectifs même une fois atterri. Alors, on récupère le vaisseau. Alors là, à mon avis, en termes de science, on va être bien. On va être très très bien même. Quatre c'est pas mal du tout. C'est une très 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 bonne mission.
Nous sommes à 824 000 en termes de fonds. Autant dire que le financement de notre campagne d'exploration du système Kerbin est en bonne voie. Mission Control, on a Explore Kerbin, tiens. Ah, on va devoir se lancer dans un rendez-vous de deux vaisseaux. Je dis oui. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Je dis, on va déverrouiller pas mal de trucs. Déjà, on va récupérer le flight control qu'on n'avait pas encore fait. Salut à toi, French Kebab. Merci d'être passé. Merci pour tes interventions. Merci de ton passage, de ton follow. Et puis, je te dis à la prochaine fois pour peut-être du carbine, peut-être du carbol, pardon, peut-être du jeu de rôle, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas, ça n'était pas dans du programme, mais en tout cas, merci à toi. Bonne journée, salut. Et bah du coup, nous, de notre côté, on va déverrouiller les trucs. Et puis, ce sera la fin de notre premier épisode de Objectif Moon. Et on va déverrouiller quoi? On va déverrouiller, on avait dit, la partie Electrics. Le Propulsion System. Ici qu'on avait besoin encore, la Advanced Construction, on l'a déjà, donc ça c'est parfait. Alors on aurait besoin du fuel parce que ça marche très bien. Et peut-être l'aérodynamics. Cool landing. Advanced Flight Control, c'est pas mal. Ça peut nous aider à nous faire du dockage. Exploration, miniaturisation. Je vais se prendre le fuel. Après, il y a la heavy rocketry qui est pas mal aussi, mais pour l'instant, on n'a pas trop ce qu'il faut en termes de réservoir, je crois. Reconnex, tolérance, blablabla. Ah, mais j'ai d'où les Rocomax, c'est pour les. Ah oh bah oui, c'est parfait. Mais du coup, on va se prendre le fuel et on se prend la heavy rocketry. Hop là. Landing, on s'en fout. Advanced Flight Control, on s'en fout pour l'instant. Miniaturisation, on s'en fout. Électrique, c'est parfait. Voilà. Il nous reste 27 de science. On a débloqué plein de trucs. Et on va bientôt pouvoir faire la suite de notre exploration du système Kerbin. En attendant que Kerbal Space Program 2 sorte et vienne renouveler tout cela avec bien sûr les missions interstellaires qui sont prévues a priori. Plein de bonnes choses qui devraient arriver. Et en attendant, YouTube, je te dis à bientôt, à la prochaine fois. Laisse un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, un et partage à tes amis si tu as aimé cette vidéo. Partage à les gens que tu n'aimes pas si tu veux leur faire perdre du temps. Et n'hésite pas à commenter. Salut! Des bisous. Salut YouTube.